Il est bientôt 15h, vous regardez Non Stop Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous, à la une de l'actualité de ce dimanche. Pour lutter contre le virus, il faut siffler la fin de la récréation. Le signal d'alarme de 6 médecins qui publient une tribune dans le JDD pour demander d'éviter autant que possible les rassemblements privés. 48 résidents positifs sur 75, 5 personnes décédées. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette EHPAD de Sévrac d'Aveyron? Nous verrons cela dans un instant avec notre invité Jean-François Timsit. C'est le chef du service de réanimation à l'hôpital parisien Bichat. Une vague de chaleur tardive et sans précédent sur tout le pays, principalement dans le sud-ouest, des températures inédites en septembre, dignes d'un milieu d'été. Des records sont attendus demain. Il fait déjà très chaud cet après-midi, jusqu'à 36 degrés dans les Landes. On en parlera en plateau dans un instant avec Sandra Larue. Et le premier classique PSG-OM de Ligue 1 cette saison, eh bien c'est ce soir. 5000 spectateurs maximum sont attendus au Parc des Princes. Certains supporters phocéens craignent un retour de bâton. Vous vous en souvenez, les fans marseillais qui n'avaient pas hésité à railler le Paris Saint-Germain, défait en finale de Ligue des Champions. L'épidémie de coronavirus continue de progresser en France. La barre symbolique de 10 000 nouveaux cas détectés en 24 heures a été franchie hier. Et ce dimanche, 6 médecins tirent la sonnette d'alarme en signant une tribune dans le journal du dimanche. Ils demandent d'éviter les rassemblements privés et appellent à siffler la fin de la récréation. Marie Nahi et Hugo Marseille. Éviter autant que possible les rassemblements privés, s'abstenir des dîners entre amis, des fêtes d'anniversaire et autres événements familiaux. Les Français y sont-ils favorables? Ah bah non, vous êtes prêts à le faire, je sais pas. Ça m'ennuie beaucoup de me dire que je ne les verrai plus pendant un an, 6 mois. Ça me gêne beaucoup. De même que le confinement m'avait beaucoup gêné, j'étais vraiment malheureuse comme les pierres. Face à cette injonction, certains prônent plutôt le bon sens. Quand je vais chez mes beaux-parents, par exemple, on a ressorti la table, on a ressorti les rallonges de Noël et on se met donc largement à un mètre et on met un masque systématiquement. Inciter les Français à plus de prudence dans le cadre privé, c'est le sens d'une tribune signée par plusieurs médecins aujourd'hui. Après l'été et lors des retrouvailles, il est temps de siffler la fin de la récréation, disent-ils, seul moyen d'éviter un reconfinement global. Avant les injonctions de cet ordre-là, c'est uniquement la conscience, la responsabilité, la solidarité, parce que en se protégeant, on protège également les autres, qu'il faut mettre en avant. On ne veut culpabiliser personne. Les médecins rappellent qu'une petite pièce peu aérée augmente les risques. Ils préconisent de réduire le nombre de personnes réunies et recommandent le port du masque, comme au travail. Pour en parler avec nous, Jean-François Timsit, bonjour. Vous êtes chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat à Paris. Est-ce que vous vous joignez à cet appel des médecins à éviter les rassemblements, à les interdire peut-être, les rassemblements familiaux et entre amis? Ben oui, parce que en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que le nombre de cas positifs détectés aujourd'hui, c'est dans une semaine plus de cas à l'hôpital et dans un mois plus de morts. Donc, il faut bien savoir qu'il y a un décalage. Et le décalage, et donc surtout ne pas avoir de propos disant « c'est pas grave, faut qu'on se contamine, c'est extrêmement grave à distance ». Et donc, effectivement, le premier problème est résolu, il y a plein de dépistages, le masque est plutôt bien porté. Et ce qui reste maintenant, c'est les conduites à risque. Et une des conduites à risque, on a toujours tendance à considérer qu'on fait confiance à sa famille, mais en fait, ils sont tout aussi à risque que vous, et à partir du moment où on va en contact à des gens qu'on ne voit pas toute la journée, et ben ils ont un risque d'avoir été contaminés sans qu'ils le sachent. Et donc, vous avez un risque d'être contact et de l'apprendre trop tard et donc de diffuser. Et donc, c'est sûr que ces messages de prudence sont quelque chose d'important qu'il faut bien mettre en tête de tout le monde. Sans paniquer tout le monde, il faut continuer à vivre, mais il y a réellement un problème. Justement, Jean-François Timsit, en parlant de messages de prudence, on voulait aussi avoir votre réaction sur ce spot publicitaire choc du gouvernement contre le coronavirus. La vidéo met en scène divers événements du quotidien, notamment un anniversaire en famille où les protagonistes ne respectent pas les gestes barrières. On regarde et votre réaction juste après. Tous être touchés, alors on doit tous se protéger.
Alors Jean-François Timsit, vous avez vu hein, cette vidéo, elle se termine avec cette mère de famille dans un lit de réanimation parce qu'elle a embrassé des membres de sa famille lors de cet anniversaire. Ce genre de spot qui a vocation à choquer le public, est-ce c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour interpeller ? C'est un message choc, c'est sûr que ça fait du mal et que ça culpabilise tout le monde, mais au moins on aura dit aux gens quelque chose qui est vrai et qu'ils ne se disent pas après « eh ben, on m'avait pas prévenu ». Voilà, effectivement le risque il est là. Il est que quelqu'un de jeune qui a peu de symptômes contamine quelqu'un de plus vieux qui risque d'avoir des symptômes graves et de s'en vouloir toute sa vie. Donc il faut trouver un équilibre. Probablement porter le masque quand on va voir les plus âgés, éviter de manger avec eux ou avoir des distances extrêmement importantes. Si vous êtes à l'intérieur, limitez le nombre de gens, c'est sûr. Plutôt manger à l'extérieur si vous êtes obligé de manger avec eux. Pas leur claquer la bise. Et ça, c'est clair que malheureusement, on en a pour plusieurs mois. Vous restez avec nous, Jean-François Timsit. On le sait, les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à ce Covid-19 et il y a une situation très préoccupante dans un EHPAD de l'Aveyron. En fait. Oui, là-bas, 48 des 75 résidents sont testés positifs, 5 sont décédés récemment. Alors comment expliquer un tel bilan ? On voit cela avec Angie Luata, Coralie Pierre et Camilla Giudice. Un cinquième résident est décédé cette nuit du coronavirus. Dans cet EHPAD, l'épidémie est devenue incontrôlable depuis le 4 septembre. Sur les 75 résidents, 48 ont été testés positifs. Le personnel soignant n'est lui non plus pas épargné. La moitié de l'équipe est infectée. On n'a pas vu l'épidémie arriver, ça nous est tombé brutalement. On a eu 4 résidents qui ont présenté des symptômes vomissements et fièvre. Quand les résultats des tests positifs sont arrivés, ça a été un tsunami sur la maison de retraite. La direction assure pourtant que l'établissement a pris toutes les mesures pour empêcher une telle propagation du virus entre ses murs. À partir du moment où nous avons eu les 5 résidents qui ont été touchés, nous avons stoppé les visites. Toutes les visites ? Toutes les visites. L'établissement a été entièrement confiné et les résidents en chambre. En tout, une vingtaine de soignants a contracté le virus. Autant de personnes qu'il faut rapidement remplacer. On a fait un appel à la population et une trentaine de personnes qui ont répondu, qui viennent aider dans la maison de retraite à porter les repas, à faire des ménages, des choses comme ça. Pas suffisant cependant pour faire tourner cet EHPAD. Ce week-end, la protection civile est donc venue prêter main forte au personnel de l'établissement. Jean-François Timsit, pourquoi les contaminations vont-elles aussi vite dans les EHPAD et comment les éviter ? Le problème, c'est que c'est encore un message préventif. Là, ce qu'on a entendu, c'est que la réaction, elle a été particulièrement adaptée au moment où on a su qu'il y avait des gens positifs. Mais une fois qu'on a su que les gens étaient positifs, ils avaient contaminé déjà plein de gens, c'était fini. Donc le problème, il est bien avant. Il est en réfectoire pour les maisons de retraite et les EHPAD. Comment on fait pour manger ensemble à distance pour éviter, éventuellement, si on a eu... Si on est positif, qu'on le passe à quelqu'un d'autre, comment on fait pour que le personnel ne se contamine pas et qu'il ne contamine pas les autres ? Et donc c'est vraiment avant ça le problème. Il faut, je pense, aller voir et garder un contact avec les gens qui sont en EHPAD, parce que ça leur fait du bien. Mais il faut porter le masque, rester à 1,52 m, pas manger avec eux. Et au réfectoire, faire très attention à la baisse du masque et plutôt, je pense, dans la plupart des cas, limiter considérablement les réfectoires, les partages. Et ça, c'est compliqué pour les sujets âgés qui sont ensemble de temps en temps avec des parties de Scrabble ou de ce qu'on veut. Et ça, c'est un vrai problème. Donc voilà, c'est ces points-là qui sont importants. C'est vraiment préventif. C'est un peu le même message que la tribune de ce matin. Vraiment préventivement agir pour éviter ces catastrophes-là. Et si ces catastrophes se répètent, on retourne au confinement, mais c'est sûr, quoi. Donc vraiment, faites bien attention à tout ça. Professeur Timsit, vous restez avec nous. On va parler dans un instant de ces zones particulièrement préoccupantes sur notre territoire. Selon Jean Castex, il s'agit de Marseille, de Bordeaux et de la Guadeloupe. Alors, quelles mesures pour ces zones rouges ? Les préfets doivent donner dès demain leurs recommandations. Et il y en a plusieurs. Oui, il y a plusieurs possibilités. Vous le voyez, effectivement, renforcer les contrôles de police, notamment pour un non-port du masque, modifier les horaires de fermeture des commerces, interdire les rassemblements de plus de 10 personnes. Et ça peut aller jusqu'à une interdiction des déplacements au-delà de 100 km. Le président de la région PACA, Renaud Muselier, rejette lui tout reconfinement à Marseille dans les propositions adressées au préfet et au Premier ministre. Les voici, ces propositions, fermer les plages et parcs à partir de 20h, interdiction des fêtes de mariage ou encore la limitation du nombre de participants aux enterrements. Jean-François Timsit, est-ce que, selon vous, ça peut être des bonnes propositions ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place là ?
Le problème, c'est que c'est un équilibre entre la politique, la société, l'économie et la santé. C'est clair que limiter les rassemblements, c'est absolument indispensable. Il faut une conscience personnelle et de celle des autres, donc les protéger, porter son masque si on a un rassemblement important. Dans les enterrements, bien entendu, il faut une famille proche et pas l'ensemble des gens qu'on a vus une fois ou deux qui viennent marquer le respect sur nos patients décédés. Et là, il y a tous des équilibres à trouver, mais surtout ne pas considérer que ce n'est pas grave. Je veux dire, il y a un vrai problème qui est en train de monter. Il y a des régions où le port du masque est extrêmement bien respecté, d'autres où elle ne l'est pas. Je ne vais pas stigmatiser particulièrement, mais vous savez de quelle région je parle. Il y a un R0, même en Haute-France, qui est en train de monter de façon considérable. Et donc, je pense que la semaine prochaine, il y aura un souci dans les Hauts-de-France aussi. Et donc, la situation, elle est très inquiétante. Et donc, on ne va pas aller jusqu'à une explosion de cas comme c'était en mars, mais on risque d'avoir une situation très, très embêtante à gérer, d'autant plus que les autres maladies ne s'arrêtent pas et qu'on a aussi à soigner les autres patients. Alors, concernant justement la région PACA dont on parlait à l'instant, Renaud Muselier demande aussi un vaccin obligatoire contre la grippe pour toutes les personnes de plus de 65 ans et pour les soignants. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça peut être une bonne solution? L'obligation du vaccin antigrippal pour les soignants, j'en suis convaincu depuis très longtemps. Ce n'est pas passé parce qu'il y a un certain nombre de gens, même chez les soignants malheureusement, qui sont contre les vaccins. Et je pense que ça devrait être tout à fait normal pour protéger à la fois eux-mêmes, mais aussi les patients. Donc les plus de 65 ans sont effectivement des gens à risque pour lesquels il est archi recommandé de se vacciner antigrippal. Et donc cette année particulièrement, ça permettra de diminuer le nombre de symptômes, de gens symptomatiques suspects de Covid, d'éviter d'inonder et d'encombrer les laboratoires pour un test qui sera finalement négatif. Et donc c'est très important, et puis de limiter les hospitalisations. Donc c'est vraiment très important de se faire vacciner pour ces patients à risque. Merci beaucoup, professeur Timsit, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV cet après-midi. On en vient à présent à cette vague de chaleur inédite pour un mois de septembre, et ce, à partir d'aujourd'hui. Il fait très très chaud cet après-midi à de nombreux endroits dans le pays. Vous le voyez, 36 degrés dans les Landes, 33 à Auch dans le Gers, 29 à Clermont-Ferrand ou encore 28 degrés à Paris. Et des records de température, hein, littéralement, qui sont à venir encore pour la journée de demain. Du jamais vu en cette période, ça ressemblerait plutôt à un milieu d'été. Alexia Prunier, Damagassa et Vincent Hénan. Glace en bord de mer, baignade ou sieste sur le sable, l'été est encore là et n'a pas dit son dernier mot. Dans les prochains jours, les températures pourraient être 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison. Une bonne nouvelle pour ces touristes de dernière minute. On avait un peu peur du temps justement avant de partir. Mais finalement, bonne surprise, il fait beau, du soleil, il fait chaud, donc on est bien. Ah, c'est très difficile de porter le masque avec cette chaleur, donc vu qu'à la plage, on n'est pas forcément obligé de porter le masque, il faut profiter, donc on profite. Ici, avec l'air marin, les ressentis sont encore supportables, mais à quelques kilomètres de là, en centre-ville, certains Bordelais redoutent ce nouveau pic de chaleur. Ça fait le yo-yo, puis il fait bon, après il se met à faire très très chaud. Encore la journée, les jours sont plus courts, ça peut encore aller, mais les nuits, si elles restent chaudes, c'est pénible, parce qu'on ne peut pas récupérer. Certaines villes devraient battre des records de température pour ce mois de septembre, comme Troyes, Le Mans ou encore Bourges, avec 36 degrés attendus lundi. Un phénomène récurrent, depuis 2 ans, le thermomètre est quasiment en permanence au-dessus des normales de saison. Oui, on est même sur une série inédite de 15 mois consécutifs avec des températures au-dessus des normales de saison. La dernière fois où les températures moyennes sur un mois ont été en dessous des normales de saison, il faut remonter à mai 2019. Donc cette séquence est inédite et elle risque en plus de se prolonger avec le mois de septembre. Le pic de chaleur est attendu demain sur la majeure partie du pays. Et avec nous au plateau, Sandra Larue, notre spécialiste météo, s'attend à des records. Sandra, concrètement, comment ça va se passer? Alors, ça se met en place tout doucement. On a vraiment un contexte météo de plein été avec ce puissant anticyclone qui s'étend du Maroc jusque sur l'Europe du Nord en passant par la France. On a cette masse d'air gorgée d'air subtropical en provenance d'Afrique du Nord qui commence à envahir tout le pays. Alors, c'est déjà le cas sur les régions les plus au sud aujourd'hui avec ces 35 degrés attendus à Biarritz. Il fait déjà 33 degrés du
côté de Biscarrosse. On attend 34 degrés du côté de Toulouse et Bordeaux, 32 à Lyon, 28 à Paris. Et ce n'est qu'un début puisque, en effet, demain, tout va s'accentuer. Alors déjà en matinée, regardez, à Biarritz, la température au lever du jour, ça veut dire que la température dans la nuit ne va pas baisser en dessous de 25 degrés. Donc une nuit qui risque d'être étouffante. Mais là, ce sera un épisode peut-être un petit peu plus bref. Et donc le pic de chaleur, c'est bien cette journée de demain. Ce sera du jamais vu à cette période de l'année. On risque c'est bien évidemment, rouge, hein. Voilà, c'est rouge torride. Oui, on risque de battre évidemment de nombreux records du sud-ouest jusqu'au centre, jusque sur l'Île-de-France. Par exemple, à Paris, on attend jusqu'à 34 degrés. 34 degrés à Paris prévu demain et mardi. Ce serait du jamais vu depuis 1911. Donc, il faut remonter très très loin. Et sur de nombreuses régions, ce sera le cas. On a un indicateur thermique. Donc, c'est 30 stations représentatives. Donc, un indicateur thermique à l'échelle nationale, une moyenne de température nationale de 33 degrés pour la journée de demain. Et ça aussi, c'est totalement inédit, du jamais vu. Ça baissera ensuite un petit peu, mais il faudra vraiment attendre la journée de jeudi pour voir les températures baisser, même si on restera, même si la baisse sera quand même bien significative. Regardez, mardi après-midi, ça reste encore très élevé à Paris avec 34 degrés, 35 à Lyon. Et il faudra vraiment attendre la journée de jeudi pour voir les températures nettement baisser, même si on restera, je vous le disais, au-dessus des normales de saison. Alors Sandra, est-ce que cet épisode de chaleur un peu exceptionnel à cette période, ça reste exceptionnel ou est-ce que ça va généraliser? Alors, c'est exceptionnel pour le moment encore. C'est vrai que des journées estivales, c'est assez à cette période de l'année, c'est assez fréquent. Mais là, la vague de chaleur qui nous attend là pour ces prochaines heures sera quand même exceptionnelle à plus d'un titre. Déjà par sa durée, parce qu'elle va durer quand même 3 à 4 jours. De par son étendue, elle va concerner tout le pays. On attend jusqu'à 33 degrés à Lille. Ça aussi, on risque de battre des records. Également, de par son côté tardif, évidemment, et ses valeurs qui seront donc de 10 à 15 degrés supérieures au normal de saison. On a vraiment cette récurrence des hautes pressions sur le pays qui nous protège de toutes les perturbations et ce flux de secteur sud qui nous amène toute cette chaleur. C'est quand même inquiétant ce qui se passe, Sandra, là. Comment expliquer? Alors, on peut difficilement plus relier cela au réchauffement climatique. Ça semble assez évident. La fréquence, la répétition depuis 30 ans de ces vagues de chaleur qui sont de plus en plus longues, de plus en plus sévères, de plus en plus fréquentes et également de plus en plus précoces et de plus en plus tardives. Si bien que la période estivale est de plus en plus longue et elle devient même prédominante sur les épisodes de froid. Merci beaucoup Sandra Larue pour ces précisions. Justement, on en parle de ce réchauffement climatique. Il est en cause dans les très violents incendies aux États-Unis. 20 000 pompiers sont toujours mobilisés sur la façade ouest. Les feux ont fait au moins 27 morts et Donald Trump se rendra demain en Californie. Et dans l'Oregon, plus de 400 000 hectares sont partis en fumée avec des paysages de désolation et le taux de pollution est au plus haut. Reportage sur place de notre envoyé spécial Cédric Fesch. Toute la côte ouest des États-Unis est plongée dans cette épaisse fumée, mélange de cendres et de brouillard qui se dépose partout. Plus on se rapproche du feu, plus la fumée est dense, mais un barrage empêche de se rapprocher davantage. Il faut habiter dans la zone et avoir une bonne raison pour y retourner. Des engins sont acheminés sur place pour déblayer les débris calcinés. Il y a trois feux majeurs dans l'état de l'Oregon. Là, on est sur le principal, Beechey Creek. Mais la zone évacuée, c'est toute la zone en rouge. Ça représente 40 000 personnes. Parce que la plus grande crainte des pompiers, c'est que les trois feux se rejoignent pour créer un seul feu complètement incontrôlable. Nous sommes concentrés sur la protection des maisons, sauver des vies quand c'est nécessaire. Et en réalité, nous savons que nous allons avoir plus de morts que ce qui a été compté jusqu'à maintenant. L'autre inquiétude, c'est la mauvaise qualité de l'air pour tous les habitants de la côte ouest. Avant même d'atterrir, on sent l'odeur de brûlé dans l'avion. Et ça se confirme avec les applications qui mesurent la pollution. Quand l'indice est de 17 à New York, il est de 1299 sur la côte ouest. Ce sont les conditions les plus malsaines. On parle même d'herpocalypse. Donald Trump ira donc demain en Californie. Ne manquez pas justement notre document sur le président américain. Ce sera demain soir à 21h sur BFM TV. Inside Trump, l'enquête, les coulisses de sa présidence racontées de l'intérieur par sa garde rapprochée. Les sports, le foot avec le classique PSG-OM ce soir au Parc des Princes avec une jauge de 5000 spectateurs. Un joueur sera surveillé par les Parisiens, Dimitri Payet. Vous en souvenez peut-être, après la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions face au Bayern, il avait chambré le club de la capitale. Certains Marseillais craignent ce soir un retour de bâton. Nicolas Flon, Florent Germain.
La vidéo avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Publiée quelques minutes après la défaite du PSG face au Bayern, on y voit le maillot de Paris sans l'étoile du vainqueur de la Ligue des Champions. La pique est signée Dimitri Payet. Trois semaines après, le joueur de l'OM assume ses moqueries. On va dire que c'est de bonne guerre. Entre ennemis, on va dire, on se charrie là-dessus. Mais non, je regrette pas et ça ne me met aucune pression. Le 23 août dernier, les supporters phocéens avaient longtemps célébré la défaite de leurs rivaux dans les rues de Marseille. Mais aujourd'hui, certains redoutent une réaction d'orgueil du PSG. Vexé sûrement que ça peut être le sens sûrement. On se venge. Après, je pense que c'est des professionnels et que de toute manière, ils feront le maximum pour gagner, quelles que soient les circonstances. Ça va peut-être motiver ceux qui l'auront en face de lui, quoi. Le message est en tout cas bien reçu du côté de la capitale. Joueurs et supporters parisiens donnent rendez-vous au Parc des Princes. On n'a pas besoin de ça pour être motivé pour demain. On connaît l'importance d'un classico et d'un match comme celui-ci. Et voilà, on sera prêt pour demain. J'espère que lui aussi le sera. Je trouve ça vraiment ridicule de se féliciter de la défaite d'une équipe française. Mais bon, c'est comme ça, c'est la rivalité. Puis j'espère qu'on saura leur répondre sur le terrain. Le PSG n'a plus perdu contre Marseille depuis novembre 2011. Allez, restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, on va évoquer cette vague de chaleur majeure sur tout le pays. Vous l'avez entendu, des températures supérieures de 10 à 15 degrés par rapport au normal de saison sur tout le secteur, sur tout le territoire. Des températures inédites, forcément, donc pour ce mois de septembre, en lien évidemment avec le réchauffement climatique et un pic de chaleur attendu dès demain. Septembre sur RMC Découverte. Bon les gars, on est en place là. C'était une vie qui était un exemple pour les autres. C'était énorme. Tout était énorme. C'était un lieu très impressionnant. Dans le grand royaume de France, Rocamadour, c'est un des phares absolus. C'est vraiment une illustration de la ferveur médiévale, hein. C'est un véritable livre d'histoire. On est de retour, bienvenue à la maison. La chasse à l'or. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver. C'est le rêve de chaque chercheur. Elle présente des dimensions exceptionnelles. Reims est née comme un édifice record. Quand elle est construite, c'est la plus haute et la plus grande. C'est la première des géantes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons. T'as dit quoi, là? Ça vous fait rire. T'as tout cassé. C'est toujours plus haut, toujours plus vite. Ses découvertes, plus fort que la fiction. Ambition, projet, compétences, les créateurs d'entreprises s'affrontent sur BFM Business. Qui sera la révélation de la 15e saison de BFM Academy? Envie de créer votre entreprise? Suivez BFM Academy avec le Crédit Agricole. La Réunion, l'île intense. What the future holds. Découvrez le nouveau SUV Peugeot i2008 100% électrique à partir de 199 euros par mois. Portes ouvertes ce week-end. Quand Adrien, policier, rentre d'astreinte, il sait qu'il peut compter sur une assistance plomberie 24h sur 24, incluse sans surcoût dans son contrat habitation. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Juliette ? Juliette ? Non. Juliette, j'ai toujours voulu que tu conduises une Volkswagen. Et si le lavabo refuse ?
Vous pouvez tenter avec le sèche-pain. Volkswagen, c'est toujours une histoire d'amour. Pendant le mois de la reprise, jusqu'à 2 050 € en plus de la valeur de votre véhicule pour l'achat d'une Polo. Portes ouvertes les 12 et 13 septembre. Volkswagen. Biogarant présente Madame Allons-y. Madame Allons-y a toujours aimé faire du sport. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Mais à présent, elle doit suivre un traitement contre le cancer. Alors pour elle, Biogarant a conçu des conseils pour pratiquer une activité physique adaptée. Consultable sur mieuxdansmesbasketscontrelecancer.fr et disponible en pharmacie. Biogarant, chaque jour, agir pour la santé. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par VendezVotreVoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.VendezVotreVoiture.fr. Stressé, fatigué, avec Stress Résiste aux extraits de rhodiola rosea, de thé vert et du magnésium marin. Ne vous laissez plus déborder par le stress. Choisissez de lui résister. Rejoignez la stress résistance avec Stress Résiste. Déjà 82% se déclarent satisfaits. Parce que les protéger aujourd'hui, c'est aussi protéger leur avenir. Toute la gamme Volvo est disponible en hybride rechargeable. Je suis une ours de couette en coton bio, plus respectueuse de l'environnement. Je suis très douce, mais je vais vous parler franchement. Je ne suis pas du genre à dormir avec n'importe quel lit. Il faut qu'il ait les mêmes valeurs que moi pour que ça marche entre nous. Camif.fr. Nos meubles aussi pensent très très fort à demain. La météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. Et c'est donc reparti pour une semaine digne d'un plein été. Déjà ce dimanche, des valeurs en nette hausse sur les régions du sud et cette chaleur va encore s'intensifier. Au programme côté ciel demain matin, eh bien pas l'ombre d'un nuage, quelques plaques de grisaille sur le Roussillon ou encore sur le nord de la Bretagne. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien le soleil se maintiendra partout, petit bémol à peine sur le relief alpin avec quelques averses possibles et les températures donc qui vont faire largement l'actualité dans ce flux de secteur sud, c'est de l'air vraiment très chaud qui remonte sur le pays. Regardez en tout début de matinée du côté de Biarritz, il fera déjà 25 degrés, 20 degrés à Toulouse ou encore à Bordeaux. La valeur la plus basse, ce sera à Auxerre avec 10 degrés. Dans le courant de l'après-midi, eh bien, on sera vraiment dans le pic de chaleur de cette vague qui devrait nous concerner une bonne partie de la semaine. Demain après-midi, des records seront probablement battus avec des valeurs supérieures de 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison. Quasiment partout, on dépassera largement les 30 degrés avec par exemple 36 à Bourges, à Bordeaux, 34 degrés à Paris. Mardi, encore une belle journée souvent ensoleillée. Un léger voile nuageux se met en place par l'ouest. Quelques orages attendus sur les Pyrénées et les températures, même si elles baissent, notamment sur l'ouest, plus que 23 à Brest, 27 à Biarritz. Ça restera encore très élevé sur la majeure partie du pays avec 33 à Lille, 33 à Strasbourg, à Bourges, 34 à Paris, jusqu'à 35 degrés à Lyon. Mercredi, encore beaucoup de soleil, quelques averses ici ou là, mais pas suffisamment évidemment pour réduire cette sécheresse. Les températures resteront encore très élevées dans l'Est. Il faudra vraiment attendre la journée de jeudi pour voir et pour retrouver un air plus respirable, mais on restera malgré tout au-dessus des normales de saison. C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. Il est bientôt 15h30, voici les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Un air de mois d'août en cette mi-septembre. Il fait chaud, très chaud dans toute la France ce dimanche, avec jusqu'à 36 degrés dans les Landes. Et le pic est encore attendu demain. Nous ferons le point sur cette vague de chaleur avec Antoine Forestier. Il est à Biscarrosse, nous le rejoindrons dans un instant. Le point également avec notre invité du jour, Alix Roumaniac, spécialiste de la prévision des phénomènes météorologiques.
Pour lutter contre la propagation du Covid-19, 6 médecins, dont le généticien Axel Kahn, appellent à siffler la fin de la récréation, éviter les rassemblements privés, demandent-ils aux Français dans une tribune dans le Journal du Dimanche. On en parlera dans un instant avec Caroline Dieudonné. Des dizaines de milliers d'Américains évacués de chez eux. Les incendies se multiplient ces derniers jours sur la côte ouest des États-Unis. Les autorités sont inquiètes. Donald Trump se rendra demain en Californie. Les détails dans un instant avec notre correspondante aux États-Unis, Loubna Anaki. On se croirait en plein mois d'août, vous l'avez remarqué, il fait chaud aujourd'hui. Eh bien, ça va encore durer quelques jours. Une trentaine de degrés sur la quasi-totalité du territoire ce dimanche après-midi. Un grand soleil également sur toutes les régions. Et vous voyez ces images en direct sur la France. À La Bastide d'Armagnac, dans les Landes, par exemple, il fait 34 degrés. Montpellier, 30 degrés. La Roche-sur-Yon en Vendée, 29 degrés. Et dans la capitale, 28 degrés, pas moins que ça. Le pic de chaleur, lui, il est attendu demain avec des températures qui varieront globalement de 26 à 32 degrés, 23-24 près de la Manche et de 33 à 35 degrés sur le sud-ouest. On va prendre justement la direction du sud-ouest pour retrouver Antoine Forestier. Vous êtes à Biscarrosse, dans les Landes, Antoine. C'est là-bas que la chaleur est la plus forte aujourd'hui, un record en cette saison. Oui, il fait très très chaud et ces prévisions météo, elles n'ont pas échappé à tous les habitants du coin qui sont venus, vous pouvez le constater sur ces images de Californie, très très nombreux cet après-midi pour profiter de ces fortes températures, 32 degrés ici, c'est quasiment 10 degrés de plus que les normales de saison. Ils ne s'attendaient pas forcément à avoir encore un été qui se prolonge ici à Biscarrosse. En ce qui concerne la température de l'eau, 22 degrés, mais ça n'empêche pas le monde de se baigner. On discutait avec ceux qui sont dans l'eau depuis tout à l'heure et nous ont dit qu'elle était très très bonne. Des conditions un petit peu moins bonnes pour certains surfeurs au large puisqu'ils s'attendaient à avoir un peu plus de houle. Ils nous ont dit qu'il fallait descendre un petit peu plus au sud pour avoir des meilleures conditions, en tout cas des conditions bien meilleures que l'année dernière à cette période de l'année où il faisait beaucoup plus froid à cette période en septembre. Alors Antoine, on a vu derrière vous les gens qui se baignent beaucoup. Comment la population locale, de manière plus générale, accueille ces températures un peu inhabituelles? Écoutez, je vous propose de discuter avec Geoffrey qui est juste à côté, qui profite de ces bonnes conditions depuis tout à l'heure. Il connaît bien Biscarrosse puisqu'il travaille ici en tant que restaurateur. Merci Geoffrey de répondre en direct à nos questions. Un week-end comme ça, le prolongement de l'été, vous vous y attendiez? Ah non, pas du tout. Franchement, on a de la très bonne météo et honnêtement, c'est très agréable en arrière-saison. Même pour côté restauration, tout ce qui est en rapport avec le tourisme. En vue de ce qui s'est passé cet été, voilà, c'est très agréable de pouvoir recevoir les gens et d'avoir une telle météo. Vous êtes responsable de restaurant et là donc ça a bien fonctionné? C'est ça, tout à fait, oui. Au restaurant Les Écureuils, au chemin de Navarros. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Et ben, ces bonnes conditions, elles vont continuer à durer. Encore demain, il va faire encore plus chaud, jusqu'à 35 degrés ici à Biscarrosse. Et on s'attend également à avoir une bonne population sur la plage. Merci beaucoup Antoine Forestier, donc sur la plage de Biscarrosse où l'été se prolonge avec Camille Fournier. On a bien noté l'adresse du restaurant. Ah bah oui, ça vous voyez. Alix Roubaniac est avec nous. Bonjour, président de la société Predict Service, spécialisée dans la prévision des phénomènes météorologiques. En quoi est-ce que l'on vit avec ces températures est exceptionnel? Oui, bonjour. Oui, effectivement, vous le voyez derrière moi sur nos écrans. En fait, on a une dépression qui est sur l'Atlantique et qui fait remonter de l'air chaud d'Afrique du Nord, d'Espagne et du Portugal. Et comme le disaient nos collègues de Météo France ce matin, avec qui on a encore fait des points, on est sur une situation où depuis 15 mois d'affilée, on a des températures moyennes qui dépassent en fait les moyennes mensuelles depuis plus de 15 mois. Il faut remonter jusqu'à mai 2019 pour ne pas avoir un mois qui dépasse les records. Et en fait, cette température va encore bouger. C'est lié à cette dépression qui est sur l'Atlantique, que vous voyez derrière moi, et qui fait remonter derrière de l'air chaud en fait depuis l'Afrique du Nord. Alors cette dépression, d'ici la fin de la semaine, peut se rapprocher un petit peu de l'Espagne et du Portugal. Donc on va continuer à profiter de cet air chaud ce début de semaine pour peut-être le week-end prochain connaître un événement un petit peu pluvieux sur le sud de la France. Alors, quand est-ce qu'on a enregistré en France un tel phénomène pour la dernière fois? Ben, je vous le dis, c'est du jamais vu, en fait. Hein. Ça fait même plus de 15 mois d'affilée qu'en fait, on bat tous les records. Donc, bon, enfin, on ne va pas répéter ici qu'on est dans une situation, effectivement, le changement climatique
nous fait vivre des choses que l'on n'a pas vécues. Le tout, c'est qu'il faut, il faut être vigilant, il faut être prudent, parce que autant profiter sur le sud-ouest aujourd'hui et encore dans ce début de semaine des fortes chaleurs. Et puis, on va être un petit peu attentionné, parce que si cette dépression se rapproche avec cette chaleur, ça peut donner quelques événements un peu forts pour le fin de la semaine. Donc, c'est ce qu'on va suivre avec vous le week-end prochain. Le réchauffement climatique, les conséquences, on les voit. Alors on les voit effectivement avec ces températures records hein, pour un mois de septembre en France. On le voit aussi aux États-Unis avec ces gigantesques incendies. Est-ce qu'il va falloir s'habituer, par exemple, là, en France, à avoir comme ça des mois de septembre aussi chauds chaque année désormais? Oui, alors l'aspect régularité est toujours complexe, mais c'est vrai que tous les experts du GIEC l'évoquent. Hein, on est sur une situation avec ce changement climatique qui accentue les extrêmes. Donc on va pouvoir connaître des mois beaucoup plus chauds, des mois de septembre beaucoup plus chauds, des sécheresses plus chaudes, et puis après, d'un seul coup, des précipitations intenses très, très importantes. Donc c'est en fait malheureusement le quotidien qui va nous être demandé de vivre dans les années à venir. Donc ce n'a pas que des côtés négatifs, hein, on le voit avec les gens qui étaient sur Biscarrosse il y a quelques temps, mais ça a quand même, malgré ce, des conséquences extrêmes sur tout un tas de sujets. Donc il faut s'habituer à vivre cela et puis à adopter les bonnes attitudes qui vont avec ces événements. Merci Alice Roumaniac, présidente de la société Predict Service, spécialisée dans les prévisions des phénomènes météorologiques. Notre santé et la progression à présent de l'épidémie de coronavirus en France, elle inquiète certains spécialistes. Les chiffres, regardez, 10 561 nouveaux cas positifs en 24 heures. C'est le dernier bilan de Santé publique France. C'est 1155 cas de plus que la veille. 86 nouveaux foyers de contamination ont par ailleurs été détectés en une seule journée. Eh bien, conséquence, 6 médecins alertent aujourd'hui dans une tribune publiée dans le journal du dimanche. Alors, il pointe du doigt les réunions de famille ou d'amis, des situations de la vie quotidienne où le risque de diffuser ou de contracter le virus est élevé, car, il le rappelle, ces spécialistes, l'une des caractéristiques déroutantes du Covid-19 est la part importante de personnes asymptomatiques et contagieuses. Ces médecins qui appellent à siffler la fin de la récréation, écoutez l'un d'entre eux, le généticien Axel Kahn. On n'a pas obligatoirement le besoin de vous dire si vous devez vous protéger et protéger les autres. Donc je vous dis, écoutez, prenez-vous en main. Protégez-vous, protégez les autres. On ne demande pas que, évidemment, les gens qui s'aiment ne se voient pas. Mais les réunions de famille à 15, 20, 30 personnes, extrêmement proches, sans aucune mesure barrière, sans masque, des bisous de ci, de là, ça, c'est très dangereux. Et c'est très dangereux, vous mettez vos anciens en danger. Je vais vous dire, car je suis aussi un ancien, vous me mettez en danger aussi, comme cela. Caroline Dieudonné, bonjour, journaliste spécialisée santé BFM TV. Ces 6 médecins qui interpellent dans le journal du dimanche. Nous sommes à une nouvelle étape de l'épidémie, celle de la diffusion. Pourtant, le dernier taux de positivité relevé par Santé publique France reste stable, 5,4%, c'est cela. Est-ce qu'il faut penser qu'on va tout de même vers cette augmentation de la diffusion du virus ? Alors, effectivement, quand on regarde la tribune, donc nous sommes à une nouvelle étape de l'épidémie, disent les signataires, celle de sa diffusion. Nous perdons petit à petit la trace de nouvelles contaminations. En fait, ça fait plusieurs semaines déjà qu'on a perdu la trace des contaminations. C'est difficile, en fait, de remonter les chaînes de cas contact. Quand on posait la question à Bruno Lina, qui est membre du conseil scientifique il y a quelques jours, souvenez-vous, ils avaient publié une série de scénarios possibles après le confinement et ils nous expliquaient qu'on était plutôt dans le scénario 3, c'est-à-dire une reprise progressive de l'épidémie sans que les chaînes de contamination puissent être identifiées et contrôlées. Quand on regarde le bulletin de Santé publique France, on trouve ce chiffre. Pour l'instant, 19% des nouveaux cas identifiés étaient précédemment connus, donc identifiés comme une personne contact à risque d'une personne qui était testée positive. Donc c'est assez faible. Conclusion de Santé publique France, la majorité des nouveaux cas continuent de survenir en dehors de ces chaînes de transmission documentées. Donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, c'est ce qu'on vient d'entendre à l'instant avec l'interview, c'est le risque de diffusion du virus vers des populations plus à risque, des populations plus âgées, par exemple. C'est ce qu'on peut lire dans ce communiqué de Santé publique France il y a quelques jours. Le risque de diffusion du virus vers des populations plus âgées pourrait impliquer une plus forte augmentation des hospitalisations, dont celle en réanimation
dans les semaines à venir. C'est donc un indicateur qu'on surveille, hein, vous savez, ces nouvelles entrées, notamment dans les services de réanimation. Et on voit que la semaine dernière, l'une des plus fortes augmentations de cas, c'était pour les 75 ans et plus, même si on part de très loin. Hein. Pour l'instant, le virus circule toujours principalement chez les plus jeunes. Les indicateurs se dégradent et nous ne savons pas jusqu'où cela ira, écrivent ces médecins dans cette tribune. Ils constatent que malgré la généralisation du masque obligatoire, les contaminations progressent. C'est primordial d'agir aujourd'hui sur le levier des rassemblements privés, Caroline. C'est vraiment ce que pensent les signataires de cette tribune. Nous, nous avons appelé l'un des signataires, Bruno Mégarban, tout à l'heure, qui est chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière. Et il nous disait, voilà, quand on regarde le nombre de clusters, et vous voyez cette carte de Santé publique France avec où se situent ces clusters, après on peut regarder le type de cluster, et bien on voit que ça concerne principalement les entreprises privées et publiques, et puis les événements publics ou privés, donc des rassemblements temporaires de personnes et des rassemblements avec plusieurs foyers familiaux. Donc on pense à des fêtes ou encore à des cérémonies comme des mariages. Et donc ils veulent vraiment lancer un appel à la population, puisqu'en fait on porte déjà le masque en entreprise, on le porte dans certains endroits dans l'espace public, et donc c'est vrai que au sein du milieu familial, eh bien on peut avoir tendance à oublier en fait le risque par rapport à ce virus, et quand on fait des réunions familiales, eh bien peut-être aussi qu'il y a des personnes particulièrement à risque. Donc toujours essayer de respecter ces mesures barrières, ces distances le plus possible. Merci à Caroline Dieudonné. Et puis il y a aussi cette situation très préoccupante dans un EHPAD de Sévrac d'Aveyron. C'est à 50 km de Rodez en Aveyron, et parmi les 75 résidents, une cinquantaine ont été testés positifs au Covid et 5 personnes sont décédées. Précision sur place d'Angie Louata. Il y a actuellement dans cet EHPAD 48 résidents qui sont testés positifs au coronavirus. Donc il y a eu ces 5 décès. Et puis il y a surtout 20 membres du personnel qui sont également positifs au coronavirus. Donc concrètement, qui ne peuvent pas travailler. Ce qui signifie qu'il y a un manque cruel de personnel soignant notamment. D'où cet appel qui a été lancé par la directrice de l'établissement, qui souhaite donc qu'il y ait du personnel soignant qui vienne prêter main forte. Elle nous a expliqué qu'il y avait déjà des gens qui avaient répondu favorablement à l'appel, qui pouvaient venir pour un ou deux jours, mais elle aimerait qu'il y ait du personnel soignant, notamment humanitaire, qui puisse venir sur une semaine ou deux, entre deux missions à l'étranger, par exemple. Voilà cette volonté, cet élan de solidarité qui est relayé également par la mairie de Sévrac d'Aveyron. La population entière est concernée, puisque des gens ont d'ores et déjà expliqué qu'ils pouvaient accueillir chez eux ce personnel soignant pour éviter qu'il y ait des frais d'hébergement et que cette solidarité puisse se mettre en place de manière plus efficace, plus rapide. À l'issue du Conseil de défense vendredi, Jean Castex mettait en avant une évolution préoccupante des contaminations, notamment chez les plus âgés à Marseille, Bordeaux et en Guadeloupe. Des territoires dont les préfets ont la charge d'ici à demain, lundi, de proposer au Premier ministre de nouvelles mesures complémentaires. C'est déjà le cas en Guadeloupe. Le préfet cible notamment ces fameux rassemblements familiaux. Écoutez. Ce qu'on voit aujourd'hui en Guadeloupe, en tous les cas, c'est l'augmentation du nombre de cas contacts à travers les rassemblements familiaux et amicaux. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de travailler sur ces rassemblements pour en limiter le nombre, pour limiter les moments, les lieux et les activités pendant lesquels les gens ont du mal à respecter les gestes barrières et de ce fait se contaminent. Restez avec nous sur BFM TV. Après la Guadeloupe, les mesures que Bordeaux et Marseille pourraient prendre demain pour lutter contre l'augmentation du nombre de cas de Covid. Mais on va en parler dans quelques instants. Selim et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. En respectant certaines règles, ils peuvent à nouveau se voir, se parler, mais aussi rire et s'amuser ensemble. Le virus circule toujours. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts. Ensemble, restons prudents. Besoin d'aide ? 0800 130 000. Appel gratuit ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Bon, pour l'avenir de la France, voilà comment ça va se passer.
Moi, je m'occupe d'être un canapé design fabriqué par une entreprise familiale qui profite à l'économie française. Et vous, installez-vous, tranquille. Camif.fr. Nos meubles aussi pensent très très fort à demain. Parce que les protéger aujourd'hui, c'est aussi protéger leur avenir. Toute la gamme Volvo est disponible en hybride rechargeable. Ah sinon, si je t'ai pas dit. Hier, j'étais en voiture et là je vois quoi ? Un tigre. Alors je pile et bim, je me prends un éléphant. Heureusement, le dompteur a débarqué et il les a ramenés aux zoos. Et là, je lui dis merci. Parce que le problème quand on est bien assuré, c'est qu'on n'a pas grand-chose à raconter. Bah, j'ai vu un blaireau aussi. Un blaireau ? Ouais. Chez Direct Assurance, vous économisez en moyenne 230 euros. Vous avez un projet de crédit immobilier ? Grâce au contrat de garantie CAFPI, obtenez votre avis de faisabilité et évaluez votre capacité d'emprunt sur CAFPI.fr. C'est gratuit, simple et immédiat. Donnez vie à vos projets en agence et sur CAFPI.fr. CAFPI, expert en crédit. Je peux vous proposer du blanc. Du blanc léger, cassé, brillant, poudré, ou un blanc sombre peut-être. Vous n'auriez pas quelque chose de plus original ? Voyez le monde avec un œil nouveau. Skoda Kamiq, la nouvelle référence des SUV urbains Skoda, est disponible dès maintenant à partir de 199 euros par mois, hors prime à la conversion. Avec les tirages Loto Mission Patrimoine, vous pouvez gagner 2 millions d'euros minimum. Tout en aidant à restaurer le patrimoine français. Alors bonne chance et merci. Mission Patrimoine, pour vous et pour l'histoire. Avec les fenêtres Kalaïn, l'extérieur s'invite à l'intérieur. Kalaïn, la fenêtre lumière. Vous avez le droit d'ignorer Madame Zorba. Parce que vous avez le droit de déjà connaître votre avenir. Parce qu'avec la Banque Postale, vous avez le droit d'analyser et d'optimiser votre retraite avec un expert. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. Fête du foot, c'est chaque week-end avec la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue 2 BKT et les grands championnats européens seulement sur beIN Sport et Canal+. Place aux nouvelles technologies. Place au nouveau design. Place à l'inspiration. Nouveau SUV Mini Countryman. Disponible en édition suréquipée à partir de 370 euros par mois sans aucun apport. Merci d'être avec nous à 15h47. On parle de ces contaminations préoccupantes et ces hospitalisations déjà élevées selon le Premier ministre. On a entendu le préfet de Guadeloupe il y a quelques minutes. Pour les villes de Bordeaux et de Marseille en métropole, les préfets ne rendront leur copie que demain. Voici tout de même les pistes que les préfets pourraient envisager des mois au plus contraignants. Oui, avec un renfort des contrôles de police, des horaires de fermeture de commerce modifiés, plus de rassemblements de plus de 10 personnes ou encore une interdiction des déplacements de plus de 100 km. Verdict donc demain. Ouais, le président de la région PACA, en attendant Renaud Muselier, rejette lui tout reconfinement à Marseille dans les propositions adressées au préfet et au Premier ministre. Les voici, ces propositions, vous les voyez, fermer les plages et parcs à partir de 20h, interdiction des fêtes de mariage ou encore limitation du nombre de participants aux enterrements.
Actualité à l'étranger à présent, aux États-Unis avec ces incendies que les pompiers ne parviennent pas à maîtriser, gigantesques incendies sur l'ouest du pays. On va rejoindre notre correspondante Loubna Anaki. Des incendies donc qui ravagent la côte ouest depuis plusieurs jours maintenant. Des dizaines de milliers d'habitants ont été évacués et l'on déplore au moins 27 morts, Loubna. Oui, et ce serait un bilan qui pourrait être en dessous de la réalité car les autorités disent s'attendre à des pertes humaines beaucoup plus importantes. Des dizaines de personnes restent portées disparues et des zones ravagées par le feu restent inaccessibles. Donc difficile d'avoir un bilan précis pour l'instant. Vous le disiez, des milliers de personnes ont été évacuées. Dans l'Oregon, par exemple, 40 000 personnes ont dû quitter leur logement et 500 000 autres pourraient devoir le faire dans les heures ou les jours à venir. Tout dépendra de comment la situation va évoluer dans l'Oregon, en Californie et dans l'État de Washington. La situation reste extrêmement tendue. Ces incendies sont parmi les plus violents enregistrés dans la région. Dans ce contexte, Loubna, les autorités craignent le pire. Donald Trump, d'ailleurs, se rendra dès demain en Californie. Oui, le président qui est en déplacement dans le sud de la côte ouest est attendu demain en Californie pour faire le point avec les autorités locales. Et il faut savoir que la Californie est en état d'urgence incendie depuis à peu près un mois. Et cette semaine, la Maison Blanche a placé l'Oregon aussi en état d'urgence, ce qui permet de débloquer des aides supplémentaires pour faire face au feu. Pour vous donner une idée, il y a actuellement une centaine de foyers actifs dans la région. Plus de 2000 hectares ont brûlé. L'air et le ciel sont chargés de fumée et de cendres. Il est impossible de voir à plus de 3 mètres, ce qui rend le travail des pompiers très compliqué. Les avions bombardiers d'eau, dont le travail est essentiel dans ces situations-là, sont cloués au sol à cause de ce manque de visibilité. Et aujourd'hui, le seul espoir des autorités, ce serait que les vents faiblissent pour leur permettre enfin de maîtriser les flammes. Merci Loubna Anaki pour toutes ces précisions et ces incendies qui provoquent un gigantesque panache de fumée dans l'atmosphère. Regardez ces images de la NASA. On voit l'évolution, la progression de ces fumées qu'on avait pu apercevoir en France en début de semaine et qui désormais donc regagnent le Pacifique. Image impressionnante donc dévoilée par la NASA. Allez, tout de suite, prenez soin de vous. Parce qu'en matière de bien-être et de santé, il est important d'être bien conseillé. Retrouvez votre chronique avec France Litry, expert de vos nuits. Covid-19 et la course au dépistage rapide. Alors que sont ces nouveaux tests, les tests antigéniques qui sont déployés cette semaine en Île-de-France? Margot de Fouville et le professeur Alain Ducardonnet nous expliquent tout. À la une ce dimanche, gros plan sur les tests antigéniques qui sont en effet déployés cette semaine en Île-de-France, mais pas encore pour le grand public. On les appelle les TRA, tests rapides antigéniques. Comme les tests PCR, ils cherchent à nous dire si un patient est infecté au moment précis du dépistage, à l'inverse des tests sérologiques qui, eux, détectent des anticorps et qui peuvent nous dire si on a été infecté par le passé. Alors, comme pour les tests PCR, en fait, on utilise la même méthode de prélèvement avec un écouvillon, donc au fond du nez. Donc, vous n'allez pas y échapper pour autant, mais c'est dans la technique que c'est très différent, puisqu'en fait, ils ne cherchent pas la même chose. En effet, les tests PCR recherchent le code génétique du virus, qu'on appelle l'ARN, alors que les tests antigéniques, eux, vont rechercher des protéines qui sont produites par le virus elle-même et qui sont présentes à sa surface. Dans l'analyse aussi, c'est différent, puisqu'en fait, une fois que le prélèvement est fait, il est mis dans un réactif qui le dilue, vous le mettez sur une bandelette, et là, vous attendez quelques minutes pour que ça se colore ou que ça ne se colore pas, ça détecte la présence du virus. C'est en fait le même principe que les tests de grossesse. C'est donc une procédure beaucoup plus facile, puisque la manipulation peut se faire à la main, il n'y a pas besoin de machine. Et surtout, et c'est l'avantage majeur, c'est beaucoup plus rapide que les tests RT-PCR. En fait, en gros, on dit 15-20 minutes, c'est ce que dit le ministère de la Santé. La PHP, qui est plus prudente, dit 30 minutes. En tous les cas, ça n'a rien à voir avec les PCR traditionnels, puisque vous le savez, normalement, le résultat, c'est 24 heures. Mais compte tenu des longues queues que vous avez déjà vues dans les laboratoires d'analyse, c'est beaucoup plus long. Ces tests rapides ont donc vocation à servir aux opérations de dépistage massif. En revanche, toutes les personnes qui auront un test antigénique positif devront le confirmer avec un test PCR. C'est donc un dispositif complémentaire, mais le test de référence reste le PCR. Alors ça, c'est pour les avantages. Il y a peut-être un petit inconvénient quand même, c'est que a priori la sensibilité du test serait moins bonne, mais quand même de l'ordre de 90%. Toujours est-il que pour en avoir le cœur net, eh bien la PHP a lancé un protocole qui va comparer les résultats PCR aux résultats antigéniques. Oui, un essai clinique lancé par les hôpitaux de Paris sur 800 personnes pour comparer précisément les deux méthodes. L'objectif est à terme de pouvoir déployer à grande échelle ces tests rapides. Et puis Culture Santé avec ce livre de Martin Winkler, spécialiste de la santé de la femme, c'est mon corps.
aux éditions L'Iconoclaste. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, mesdames, avec des réponses, bien évidemment, sans tabou. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Parce qu'en matière de bien-être et de santé, il est important d'être bien conseillé. Retrouvez votre chronique avec France Literie, expert de vos nuits. Un point sur la météo avec cette vague de chaleur en cette mi-septembre avec Sandra Larue. La météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. Et cette vague de chaleur tardive se met donc tout doucement en place ce dimanche, surtout sur les régions du sud, des températures déjà en belle hausse. Demain matin, lever du jour du plein soleil, pas l'ombre d'un nuage. Dans le courant de l'après-midi, vous conserverez ces conditions parfaites dignes d'un plein été. Une petite averse possible sur le relief alpin. Et donc, côté température, dans ce flux de secteur sud, les valeurs vont grimper. Déjà, en tout début de matinée, regardez du côté de Biarritz, jusqu'à 25 degrés attendus, 20 degrés au réveil à Toulouse, à Bordeaux, 18 à Lyon, 16 degrés pour Paris, 10 degrés à Auxerre pour la valeur la plus basse. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien on sera vraiment dans le pic de chaleur de cette vague. Les températures seront très nettement au-dessus des normales de saison. Souvent 10 à 15 degrés des records seront battus, avec notamment 36 degrés attendus à Bourges ou encore à Bordeaux, 34 à Paris. Mardi, on conserve de belles conditions. Un léger voile nuageux se met en place par l'ouest, mais les températures, malgré une baisse qui s'amorce surtout dans l'ouest, plus que 27 degrés par exemple à Biarritz, eh bien on attend encore ailleurs des valeurs très élevées, 34 à Paris, encore 35 degrés du côté de Lyon. C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. Trump, raconté de l'intérieur. Une enquête exceptionnelle. Demain, 21h, sur BFM TV. Ça peut vous paraître un peu snob, mais je suis très fière de mes racines. Je suis une table design dont le bois a grandi dans une forêt française gérée durablement. Et c'est important, des forêts. Camif.fr. Nos meubles aussi pensent très très fort à demain. Redoublez de plaisir en passant à l'hybride rechargeable BMW dès 390 euros par mois. Choisissez entre l'audace de la nouvelle BMW X2 hybride rechargeable et la polyvalence de la nouvelle BMW X1 hybride rechargeable. N'attendez pas et faites votre choix dès maintenant chez votre concessionnaire BMW. Stressé, fatigué, avec Stress Résiste, aux extraits de rhodiola rosea, de thé vert et du magnésium marin, ne vous laissez plus déborder par le stress. Choisissez de lui résister. Rejoignez la Stress Résistance avec Stress Résiste. Déjà 82% se déclarent satisfaits. Désormais, le foot, c'est le samedi soir sur Canal+. Avec la grande affiche de Ligue 1 Uber Eats et un grand match de Première Ligue seulement sur Canal+. Vous avez le droit d'ignorer Madame Zorba. Parce que vous avez le droit de déjà connaître votre avenir. Parce qu'avec la Banque Postale, vous avez le droit d'analyser et d'optimiser votre retraite avec un expert. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. La vie est plus belle en couleur. Nouvelle Citroën C3 avec 97 combinaisons de personnalisation. En ce moment, profitez d'une reprise plus 2000 euros. Porte ouverte ce week-end. Achat en point de vente ou en ligne sur carrefour.citroën.fr. Citroën. C'est bon de pouvoir dormir sur ses deux oreilles.
de se reposer sur un constructeur de confiance qui sait vous recommander la bonne maison au bon budget. C'est bon d'être chez Maison Pierre. Maison Pierre, votre bien-être se construit ici. Clarence. Un duodactif issu du marronnier d'Inde stimule la diffusion des micronutriments. Nourri, la peau retrouve toute sa lumière. Nouveau Nutri-Lumière de Clarence. 200 000 Français paient leur carburant 30% moins cher. Qui, comment, pourquoi? Je veux tout le monde là-dessus. Hein. Ah ouais, vous faites un article sur les Dacia qui roulent aussi au GPL? Payez votre carburant moins cher. Dacia Duster, série limitée évasion à partir de 16 550 euros avec motorisation essence compatible GPL. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une du journal de 16h. Pour lutter contre le virus, il faut siffler la fin de la récréation. Le signal d'alarme de 6 médecins qui publient une tribune dans le JDD pour demander d'éviter autant que possible les rassemblements privés. 48 résidents positifs sur 75, 5 personnes décédées. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cet EHPAD de Sévrac d'Aveyron? Reportage à suivre, nous en parlerons également avec notre invité Jean-François Timsit, chef du service de réanimation à l'hôpital parisien Bichat. Une vague de chaleur tardive et sans précédent sur tout le pays, principalement dans le sud-ouest. Des températures inédites en septembre, dignes d'un milieu d'été. Des records sont attendus demain. Il fait déjà très chaud cet après-midi. Jusqu'à 36 degrés dans les Landes. On en parlera avec Sandra Larue en plateau. Et le premier classico PSG-OM de Ligue 1 cette saison, c'est ce soir. 5000 spectateurs maximum sont attendus au Parc des Princes. Certains supporters phocéens craignent un retour de bâton. Ils se sont moqués allègrement du Paris Saint-Germain, défait en finale de Ligue des Champions. Avec plusieurs joueurs phares contaminés par le Covid récemment, quelle sera la composition des équipes? Les détails avec Jean Rességuier sur notre plateau dans un instant. L'épidémie de coronavirus continue de progresser en France. La barre symbolique de 10 000 nouveaux cas détectés en 24 heures a été franchie hier. Et ce dimanche, 6 médecins tirent la sonnette d'alarme en signant une tribune dans le journal du dimanche. Ils demandent d'éviter les rassemblements privés et appellent, je cite, à siffler la fin de la récréation. Marie Naï et Hugo Marseille. Éviter autant que possible les rassemblements privés, s'abstenir des dîners entre amis, des fêtes d'anniversaire et autres événements familiaux. Les Français y sont-ils favorables? Ah bah non, vous êtes prêts à le faire, je sais pas. Ça m'ennuie beaucoup de me dire que je ne les verrai plus pendant un an, ce mois-là. Ça me gêne beaucoup. De même que le confinement m'avait beaucoup, beaucoup gêné. J'étais vraiment malheureuse comme les pierres. Face à cette injonction, certains prônent plutôt le bon sens. Quand je vais chez mes beaux-parents, par exemple, on a ressorti la table, on a ressorti les rallonges de Noël et on se met donc largement à un mètre et on met un masque systématiquement. Inciter les Français à plus de prudence dans le cadre privé, c'est le sens d'une tribune signée par plusieurs médecins aujourd'hui. Après l'été et lors des retrouvailles, il est temps de siffler la fin de la récréation, disent-ils, seul moyen d'éviter un reconfinement global. Avant les injonctions de cet ordre-là, c'est uniquement la conscience, la responsabilité, la solidarité, parce que en se protégeant, on protège également les autres, qu'il faut mettre en avant. On ne veut culpabiliser personne. Les médecins rappellent qu'une petite pièce peu aérée augmente les risques. Ils préconisent de réduire le nombre de personnes réunies et recommandent le port du masque, comme au travail. Pour en parler avec nous, Jean-François Timsit, bonjour. Vous êtes chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat à Paris. Est-ce que vous vous joignez à cet appel des médecins à éviter les rassemblements, à les interdire peut-être, les rassemblements familiaux et entre amis? Ben oui, parce que en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que le nombre de cas positifs détectés aujourd'hui, c'est dans une semaine plus de cas à l'hôpital et dans un mois
plus de morts. Donc, il faut bien savoir qu'il y a un décalage. Et le décalage, et donc surtout ne pas avoir de propos disant « c'est pas grave, faut qu'on se contamine, c'est extrêmement grave à distance ». Et donc, effectivement, le premier problème est résolu, il y a plein de dépistages, le masque est plutôt bien porté. Et ce qui reste maintenant, c'est les conduites à risque. Et une des conduites à risque, on a toujours tendance à considérer qu'on fait confiance à sa famille, mais en fait, ils sont tout aussi à risque que vous. Et à partir du moment où on va en contact à des gens qu'on ne voit pas toute la journée, et bien, ils ont un risque d'avoir été contaminés sans qu'ils le sachent. Et donc, vous avez un risque d'être contact et de l'apprendre trop tard et donc de diffuser. Et donc, c'est sûr que ces messages de prudence sont quelque chose d'important qu'il faut bien mettre en tête de tout le monde. Sans paniquer tout le monde, il faut continuer à vivre, mais il y a réellement un problème. Et on voulait aussi vous montrer ce spot publicitaire choc du gouvernement contre le coronavirus. La vidéo met en scène divers événements du quotidien, notamment un anniversaire en famille où les protagonistes ne respectent pas les gestes barrières. On regarde la réaction du professeur Jean-François Timsit juste après. Tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Justement, Jean-François Timsit, en parlant de messages de prudence, on voulait aussi avoir votre réaction sur ce spot publicitaire choc du gouvernement contre le coronavirus. La vidéo met en scène divers événements du quotidien, notamment un anniversaire en famille, où les protagonistes ne respectent pas les gestes barrières. On regarde et votre réaction juste après. Être touchés, alors on doit tous se protéger. Alors Jean-François Timsit, vous avez vu hein, cette vidéo, elle se termine avec cette mère de famille dans un lit de réanimation parce qu'elle a embrassé des membres de sa famille lors de cet anniversaire. Ce genre de spot qui a vocation à choquer le public, est-ce c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour interpeller ? C'est un message choc, c'est sûr que ça fait du mal et que ça culpabilise tout le monde, mais au moins on aura dit aux gens quelque chose qui est vrai. Et qui ne se disent pas après, eh ben on ne m'avait pas prévenu. Voilà, effectivement, le risque, il est là. Il est que quelqu'un de jeune qui a peu de symptômes contamine quelqu'un de plus vieux qui risque d'avoir des symptômes graves et de s'en vouloir toute sa vie. Donc, il faut trouver un équilibre. Probablement porter le masque quand on va voir les plus âgés, éviter de manger avec eux ou avoir des distances extrêmement importantes. Si vous êtes à l'intérieur, limiter le nombre de gens, c'est sûr. Plutôt manger à l'extérieur si vous êtes obligé de manger avec eux, pas leur claquer la bise. Et ça, c'est clair que malheureusement, on en a pour plusieurs mois. Alors, on sait que les personnes âgées sont particulièrement vulnérables au Covid-19 et une situation est très préoccupante actuellement dans un EHPAD dans l'Aveyron. Oui, dans cet établissement, 7 résidents sur 10 sont testés positifs au virus et 5 sont d'ores et déjà décédés. Alors, comment expliquer un tel bilan ? Angie Louata, Coralie Pierre avec Amila Giudice. Un cinquième résident est décédé cette nuit du coronavirus. Dans cet EHPAD, l'épidémie est devenue incontrôlable depuis le 4 septembre. Sur les 75 résidents, 48 ont été testés positifs. Le personnel soignant n'est lui non plus pas épargné. La moitié de l'équipe est infectée. On n'a pas vu l'épidémie arriver, ça nous est tombé brutalement. On a eu 4 résidents qui ont présenté des symptômes vomissements et fièvre. Quand les résultats des tests positifs sont arrivés, ça a été un tsunami sur la maison de retraite. La direction assure pourtant que l'établissement a pris toutes les mesures pour empêcher une telle propagation du virus entre ses murs. À partir du moment où nous avons eu les 5 résidents qui ont été touchés, nous avons stoppé les visites. Toutes les visites ? Toutes les visites. L'établissement a été entièrement confiné et les résidents en chambre. En tout, une 20aine de soignants a contracté le virus. Autant de personnes qu'il faut rapidement remplacer. On a fait un appel à la population et une 30aine de personnes qui ont répondu, qui viennent aider dans la maison de retraite à porter les repas, à faire des ménages, des choses comme ça. Pas suffisant cependant pour faire tourner cet EHPAD. Ce week-end, la protection civile est donc venue prêter main forte au personnel de l'établissement. Jean-François Timsit, pourquoi les contaminations vont-elles aussi vite dans les EHPAD et comment les éviter ?
Ben, le problème, c'est que c'est encore un message préventif. Là, ce qu'on a entendu, c'est que la réaction, elle a été particulièrement adaptée au moment où on a su qu'il y avait des gens positifs. Mais une fois qu'on a su que les gens étaient positifs, ils avaient contaminé déjà plein de gens, c'était fini. Donc le problème, il est bien avant. Il est en réfectoire pour les maisons de retraite et les EHPAD. Comment on fait pour manger ensemble à distance pour éviter, éventuellement, si on a eu, si on est positif, qu'on le passe à quelqu'un d'autre? Comment on fait pour que le personnel ne se contamine pas et qu'il ne contamine pas les autres? Et donc, c'est vraiment avant ça le problème. Il faut, je pense, aller voir et garder un contact avec les gens qui sont en EHPAD, parce que ça leur fait du bien. Mais il faut porter le masque, rester à 1,52 m, pas manger avec eux. Et au réfectoire, faire très attention à la baisse du masque et plutôt, je pense, dans la plupart des cas, limiter considérablement les réfectoires, les partages. Et ça, c'est compliqué pour les sujets âgés qui sont ensemble de temps en temps avec des parties de Scrabble ou de ce qu'on veut. Et ça, c'est un vrai problème. Donc voilà, c'est ces points-là qui sont importants. C'est vraiment préventif. C'est un peu le même message que la tribune de ce matin. Vraiment préventivement agir pour éviter ces catastrophes-là. Et si ces catastrophes se répètent, on retourne au confinement, mais c'est sûr, quoi. Donc vraiment, faites bien attention à tout ça. Le dernier bilan officiel fait état de 42 départements classés en zone rouge et 3 territoires particulièrement surveillés en France. Il s'agit de Marseille, de Bordeaux et de la Guadeloupe. Les préfets doivent prendre les mesures les plus strictes. Elles seront annoncées demain. Oui, ils ont plusieurs possibilités. Vous le voyez, renforcer les contrôles de police, notamment pour non-port du masque, modifier les horaires de fermeture des commerces, interdire les rassemblements de plus de 10 personnes et cela peut même aller jusqu'à interdire les déplacements au-delà de 100 km. Et concernant la zone PACA, le président de la région, Renaud Muselier, rejette lui tout reconfinement à Marseille. Dans les propositions qu'il adresse au préfet et au Premier ministre, les voici, ces propositions, vous les voyez: fermer les plages et les parcs à partir de 20h, interdire les fêtes de mariage ou encore limiter le nombre de participants aux enterrements. Alors ces propositions de Renaud Muselier, ce sont-elles de bonnes pistes? Que faut-il annoncer demain pour ces zones rouges? Écoutez l'avis du professeur Jean-François Timsit. Le problème, c'est que c'est un équilibre entre la politique, la société, l'économie et la santé. C'est clair que limiter les rassemblements, c'est absolument indispensable. Il faut confier une conscience personnelle et de celle des autres, donc les protéger, porter son masque si on a un rassemblement important. Dans les enterrements, bien entendu, il faut une famille proche et pas l'ensemble des gens qu'on a vus une fois ou deux qui viennent marquer le respect sur nos patients décédés. Et là, il y a tous des équilibres à trouver, mais surtout ne pas considérer que ce n'est pas grave. Je veux dire, il y a un vrai problème qui est en train de monter. Il y a des régions où le port du masque est extrêmement bien respecté, d'autres où elle ne l'est pas. Je ne vais pas stigmatiser particulièrement, mais vous savez de quelle région je parle. Il y a un R0, même en Haute-France, qui est en train de monter de façon considérable. Et donc, je pense que la semaine prochaine, il y aura un souci dans les Hauts-de-France aussi. Et donc, la situation, elle est très inquiétante. Et donc, on ne va pas aller jusqu'à une explosion de cas comme c'était en mars, mais on risque d'avoir une situation très, très embêtante à gérer, d'autant plus que les autres maladies ne s'arrêtent pas et qu'on a aussi à soigner les autres patients. Alors, concernant justement la région PACA dont on parlait à l'instant, Renaud Muselier demande aussi un vaccin obligatoire contre la grippe pour toutes les personnes de plus de 65 ans et pour les soignants. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça peut être une bonne solution? L'obligation du vaccin antigrippal pour les soignants, j'en suis convaincu depuis très longtemps. Ce n'est pas passé parce qu'il y a un certain nombre de gens, même chez les soignants malheureusement, qui sont contre les vaccins. Et je pense que ça devrait être tout à fait normal pour protéger à la fois eux-mêmes, mais aussi les patients. Donc les plus de 65 ans sont effectivement des gens à risque pour lesquels il est archi recommandé de se vacciner antigrippal. Et donc cette année particulièrement, ça permettra de diminuer le nombre de symptômes, de gens symptomatiques suspects de Covid, d'éviter d'inonder et d'encombrer les laboratoires pour un test qui sera finalement négatif. Et donc c'est très important, et puis de limiter les hospitalisations. Donc c'est vraiment très important de se faire vacciner pour ces patients à risque. On en vient à présent à cette vague de chaleur inédite pour un mois de septembre, et ce à partir d'aujourd'hui. Il fait très chaud cet après-midi, regardez, à de nombreux endroits dans le pays. Ça fait bizarre de voir ces images. Un 13 septembre, 36 degrés dans les Landes, 33 degrés à Auch dans le Gers, 29 à Clermont, ou encore 28 degrés à Paris. Il fait déjà chaud, mais les records de température, ils sont attendus, eux, pour la journée de demain, du jamais vu à cette période de l'année. Ça ressemblera plutôt à un milieu d'été. Alexia Prunier, Damagassa avec Vincent Hénin. Glace en bord de mer, baignade ou sieste sur le sable, l'été est encore là et n'a pas dit son dernier mot.
Dans les prochains jours, les températures pourraient être 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison. Une bonne nouvelle pour ces touristes de dernière minute. On avait un peu peur du temps justement avant de partir. Mais finalement, bonne surprise, il fait beau, du soleil, il fait chaud. Donc on est bien. Ah, c'est très difficile de porter le masque avec cette chaleur. Donc vu qu'à la plage, on n'est pas forcément obligé de porter le masque, bah, il faut profiter. Donc on profite. Ici, avec l'air marin, les ressentis sont encore supportables. Mais à quelques kilomètres de là, en centre-ville, certains Bordelais redoutent ce nouveau pic de chaleur. Ça fait le yo-yo. Puis il fait bon, après il se met à faire très très chaud. Encore la journée, les jours sont plus courts, ça peut encore aller, mais les nuits, si elles restent chaudes, c'est pénible, parce qu'on ne peut pas récupérer. Certaines villes devraient battre des records de température pour ce mois de septembre, comme Troyes, Le Mans ou encore Bourges, avec 36 degrés attendus lundi. Un phénomène récurrent, depuis deux ans, le thermomètre est quasiment en permanence au-dessus des normales de saison. Oui, on est même sur une série inédite de 15 mois consécutifs avec des températures au-dessus des normales de saison. La dernière fois où les températures moyennes sur un mois ont été en dessous des normales de saison, il faut remonter à mai 2019. Donc cette séquence est inédite et elle risque en plus de se prolonger avec le mois de septembre. Le pic de chaleur est attendu demain sur la majeure partie du pays. Et avec nous en plateau, Sandra Larue, notre spécialiste météo, s'attend à des records. Sandra, concrètement, comment ça va se passer? Alors ça se met en place tout doucement. On a vraiment un contexte météo de plein été avec ce puissant anticyclone qui s'étend du Maroc jusque sur l'Europe du Nord en passant par la France. On a cette masse d'air gorgée d'air subtropical en provenance d'Afrique du Nord qui commence à envahir tout le pays. Alors c'est déjà le cas sur les régions les plus au sud aujourd'hui avec ces 35 degrés attendus à Biarritz. Il fait déjà 33 degrés du côté de Biscarrosse, on attend 34 degrés du côté de Toulouse et Bordeaux, 32 à Lyon, 28 à Paris. Et ce n'est qu'un début, puisque en effet, demain, tout va s'accentuer. Alors déjà en matinée, regardez, à Biarritz, la température au lever du jour, ça veut dire que la température dans la nuit ne va pas baisser en dessous de 25 degrés. Donc une nuit qui risque d'être étouffante, mais là, ce sera un épisode peut-être un petit peu plus bref. Et donc le pic de chaleur, c'est bien cette journée de demain. Ce sera du jamais vu à cette période de l'année. On risque c'est bien évidemment, rouge, hein. Voilà, c'est rouge tôt. Oui, on risque de battre évidemment de nombreux records, du sud-ouest jusqu'au centre, jusque sur l'île de France. Par exemple, à Paris, on attend jusqu'à 34 degrés. 34 degrés à Paris prévu demain et mardi, ce serait du jamais vu depuis 1911. Donc il faut remonter très très loin et sur de nombreuses régions, ce sera le cas. On a un indicateur thermique, donc c'est 30 stations représentatives. Donc un indicateur thermique à l'échelle nationale, une moyenne de température nationale de 33 degrés pour la journée de demain. Et ça aussi, c'est totalement inédit, du jamais vu. Ça baissera ensuite un petit peu, mais il faudra vraiment attendre la journée de jeudi pour voir les températures baisser, même si on restera, même si la baisse sera quand même bien significative. Regardez, mardi après-midi, ça reste encore très élevé à Paris, avec 34 degrés, 35 à Lyon. Et il faudra vraiment attendre la journée de jeudi pour voir les températures nettement baisser, même si on restera, je vous le disais, au-dessus des normales de saison. Alors Sandra, est-ce que cet épisode de chaleur un peu exceptionnel à cette période, ça reste exceptionnel ou est-ce que ça va généraliser? Alors, c'est exceptionnel pour le moment encore. C'est vrai que des journées estivales, c'est assez à cette période de l'année, c'est assez fréquent. Mais là, la vague de chaleur qui nous attend là pour ces prochaines heures sera quand même exceptionnelle à plus d'un titre. Déjà par sa durée, parce qu'elle va durer quand même 3 à 4 jours. De par son étendue, elle va concerner tout le pays. On attend jusqu'à 33 degrés à Lille. Ça aussi, on risque de battre des records. Également, de par son côté tardif, évidemment, et ses valeurs qui seront donc de 10 à 15 degrés supérieures au normal de saison. On a vraiment cette récurrence des hautes pressions sur le pays qui nous protège de toutes les perturbations et ce flux de secteur sud qui nous amène toute cette chaleur. C'est quand même inquiétant ce qui se passe, Sandra, là. Comment expliquer? Alors, on peut difficilement plus relier cela au réchauffement climatique. Ça semble assez évident. La fréquence, la répétition depuis 30 ans de ces vagues de chaleur qui sont de plus en plus longues, de plus en plus sévères, de plus en plus fréquentes et également de plus en plus précoces et de plus en plus tardives. Si bien que la période estivale est de plus en plus longue et elle devient même prédominante sur les épisodes de froid.
Le réchauffement climatique en cause également dans les très violents incendies aux États-Unis. 20 000 pompiers sont toujours mobilisés sur la façade ouest. Les feux ont fait au moins 33 morts jusqu'à maintenant. 2 millions d'hectares ont été brûlés depuis le début de l'année. Donald Trump se rendra d'ailleurs demain en Californie. Dans l'Oregon, plus de 400 000 hectares sont partis en fumée avec des paysages de désolation. Et le taux de pollution est au plus haut. Reportage sur place de notre envoyé spécial Cédric Fesch. Toute la côte ouest des États-Unis est plongée dans cette épaisse fumée, mélange de cendres et de brouillard qui se dépose partout. Plus on se rapproche du feu, plus la fumée est dense, mais un barrage empêche de se rapprocher davantage. Il faut habiter dans la zone et avoir une bonne raison pour y retourner. Des engins sont acheminés sur place pour déblayer les débris calcinés. Il y a trois feux majeurs dans l'état de l'Oregon. Là, on est sur le principal, Beechey Creek. Mais la zone évacuée, c'est toute la zone en rouge. Ça représente 40 000 personnes. Parce que la plus grande crainte des pompiers, c'est que les trois feux se rejoignent pour créer un seul feu complètement incontrôlable. Nous sommes concentrés sur la protection des maisons, sauver des vies quand c'est nécessaire. Et en réalité, nous savons que nous allons avoir plus de morts que ce qui a été compté jusqu'à maintenant. L'autre inquiétude, c'est la mauvaise qualité de l'air pour tous les habitants de la côte ouest. Avant même d'atterrir, on sent l'odeur de brûlé dans l'avion. Et ça se confirme avec les applications qui mesurent la pollution. Quand l'indice est de 17 à New York, il est de 1299 sur la côte ouest. Ce sont les conditions les plus malsaines, on parle même d'herpocalypse. Donald Trump donc en visite demain en Californie. Ne manquez pas justement notre document sur le président américain. C'est demain soir à 21h sur BFM TV. Inside Trump, l'enquête, les coulisses de la présidence de Donald Trump racontées de l'intérieur par sa garde rapprochée. Les sports, le foot avec le classique PSG-OM ce soir au Parc des Princes avec une jauge, hein, vous le savez, de 5000 spectateurs avec nous, Jean Ességuier. Bonjour Jeannot. Bonjour. Journaliste football à RMC Sport. Est-ce qu'on a des infos, Jeannot, sur les compositions d'équipe? Plus du côté de Marseille que du côté du Paris Saint-Germain, parce que c'est un peu plus compliqué pour les Parisiens, étant donné que certains étaient en quatorzaine ou en huitaine pour des joueurs qui avaient été déclarés positifs au Covid. On pense notamment à Neymar ou encore à Di Maria et à Paredes. Pour ce qui est de Neymar, la possibilité de le voir titulaire, elle est réel dans l'axe de l'attaque avec Sarabia sur le côté droit et peut-être plus Ruiz Attil que Di Maria. C'est un petit jeune que l'on a découvert lors du match face à Lens où il a été titularisé pour la première fois. Pas mal, pour hein. Le reste, Verratti, ouais. Gueye avec Herrera en principe, la défense avec Bernat, Kimpembe, Kerrer et Florenzi qui pourrait débuter, la nouvelle recrue, le prêt avec option d'achat de la Roma sur le côté droit. Rico ou Navas, là c'est encore l'incertitude pour ce qui est du poste de gardien de but. À l'Olympique de Marseille avec Florent Germain sur place, notre correspondant RMC Sport. Petite indiscrétion sur le fait qu'il pourrait débuter cette rencontre sans véritable numéro 9, André Villas-Boas, l'entraîneur de cette équipe de Marseille, avec Thauvin dans l'axe, avec Lopez et Payet sur les côtés. Peut-être le jeune Gueye recruté au Havre cet été à la place de Strootman. Rongier et Camara pour le milieu de terrain. Et puis Tchaletassar avec Amavi, avec Sakai ou encore Alvaro pour l'expérience et Mandanda dans les buts. C'est peut-être le meilleur moment pour l'OM pour faire un bon résultat face au PSG, non? C'est ce que pensent les supporters marseillais. Je pense qu'ils ont un petit peu raison quand on voit que ça a été compliqué cette reprise de Ligue 1 pour les Parisiens après leur Ligue des Champions et la finale perdue face au Bayern Munich. L'accumulation de ces tests positifs au Covid pour des joueurs qui avaient été au repos du côté d'Ibiza, et puis encore on rajoute Kylian Mbappé et Marquinhos qui ne seront pas là. Donc oui, ça fait 10 ans au Parc des Princes que Marseille n'a pas réussi à s'imposer. Si on rajoute à cela des victoires parisiennes au Vélodrome, on est à une belle série de 17 matchs sans défaite pour les Parisiens. Donc peut-être le bonsoir, mais il va falloir que cette équipe de Marseille soit appliquée et surtout solide. Ce qu'elle a démontré par moment à Brest lors de son premier match et sa victoire, même s'il y a eu encore quelques faiblesse défensive. Donc ça peut être effectivement un soir intéressant pour les Marseillais. Mais bon, attention aux Parisiens, ils n'ont pas trop digéré non plus les tweets des joueurs, celui de Payet ou encore les attitudes de certains supporters marseillais après la défaite face au Bayern. Merci beaucoup Jeannot, PSG-OM. Donc le choc, le classique ce soir, c'est à 21h. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, on va évoquer cette vague de chaleur majeure sur le pays. Des températures inédites pour un mois de septembre et des records attendus pour demain. On y revient dans un instant. Ils ont travaillé à la Maison-Blanche aux côtés de Donald Trump. Le président Trump n'aime pas que tout le monde pense la même chose. Il aime les débats houleux. J'ai appris que j'étais licencié par tweet. Ils connaissent les secrets du président le plus déroutant de l'histoire de l'Amérique. Vous savez, un pigeon qui se balade dans vos parcs à Paris, il a plus d'amour propre que le président Trump. Trump, raconté de l'intérieur.
une enquête exceptionnelle. Demain, 21h, sur BFM TV. Je suis une ours de couette en coton bio, plus respectueuse de l'environnement. Je suis très douce, mais je vais vous parler franchement. Je ne suis pas du genre à dormir avec n'importe quel lit. Il faut qu'il ait les mêmes valeurs que moi pour que ça marche entre nous. Camif.fr. Nos meubles aussi pensent très très fort à demain. Les routes sont multiples, mais les sensations uniques au volant du Lexus UX hybride. Profitez de l'expérience Lexus pour seulement 299€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Avec les tirages Loto Mission Patrimoine, vous pouvez gagner 2 millions d'euros minimum. Tout en aidant à restaurer le patrimoine français. Alors bonne chance et merci. Mission Patrimoine, pour vous et pour l'histoire. Mécano Express, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte. Pourquoi toujours produire du neuf quand on peut faire du neuf avec du vieux? Choisir son assurance auto à la Maïf, c'est choisir de lutter contre le gaspillage. Maïf, assureur militant. Le Kia Iniro électrique a une autonomie exceptionnelle allant jusqu'à 455 km en une seule charge. Donc, vous êtes libre d'aller partout. Vous pouvez aller à la plage, vous pouvez aller au ski ou simplement rentrer chez vous après une dure journée. En ce moment, bénéficiez d'une offre exceptionnelle sur le crossover Kia Iniro 100% électrique à partir de 47€ par mois. Oui, vous avez bien entendu, 47€ par mois seulement. À ce prix-là, il n'y en aura pas pour tout le monde. Garantissez en Kia, preuve de qualité. Kia, the power to surprise. Candice a enfin trouvé la bonne lampe pour son intérieur. Mais voilà, elle se trouve à un bon 2 jours de marche de chez elle. Heureusement, elle sait qu'elle peut se faire livrer et remplacer ce long voyage par 2 clics. Le bon coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Nouvelle Toyota Yaris hybride made in France. La liberté en mouvement. Profitez de plus de liberté grâce à l'hybride Toyota et avec l'offre sans engagement pendant 6 mois à partir de 199€ par mois. Portes ouvertes ce week-end. Bon, pour l'avenir de la France, voilà comment ça va se passer. Moi, je m'occupe d'être un canapé design fabriqué par une entreprise familiale qui profite à l'économie française. Et vous, installez-vous, tranquille. Camif.fr. Nos meubles aussi pensent très très fort à demain. La météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. Et c'est donc reparti pour une semaine digne d'un plein été. Déjà ce dimanche, des valeurs en nette hausse sur les régions du sud et cette chaleur va encore s'intensifier. Au programme côté ciel demain matin, eh bien pas l'ombre d'un nuage, quelques plaques de grisaille sur le Roussillon ou encore sur le nord de la Bretagne. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien le soleil se maintiendra partout, petit bémol à peine sur le relief alpin avec quelques averses possibles et les températures donc qui vont faire largement l'actualité dans ce flux de secteur sud, c'est de l'air
vraiment très chaud qui remonte sur le pays. Regardez, en tout début de matinée, du côté de Biarritz, il fera déjà 25 degrés, 20 degrés. À Toulouse ou encore à Bordeaux, la valeur la plus basse, ce sera à Auxerre avec 10 degrés. Dans le courant de l'après-midi, eh bien, on sera vraiment dans le pic de chaleur de cette vague qui devrait nous concerner une bonne partie de la semaine. Demain après-midi, des records seront probablement battus avec des valeurs supérieures de 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison. Quasiment partout, on dépassera largement les 30 degrés avec par exemple 36 à Bourges, à Bordeaux, 34 degrés à Paris. Mardi, encore une belle journée souvent ensoleillée. Un léger voile nuageux se met en place par l'ouest. Quelques orages attendus sur les Pyrénées et les températures, même si elles baissent, notamment sur l'ouest, plus que 23 à Brest, 27 à Biarritz, ça restera encore très élevé sur la majeure partie du pays avec 33 à Lille, 33 à Strasbourg, à Bourges, 34 à Paris, jusqu'à 35 degrés à Lyon. Mercredi, encore beaucoup de soleil, quelques averses ici ou là, mais pas suffisamment évidemment pour réduire cette sécheresse. Les températures resteront encore très élevées dans l'Est. Il faudra vraiment attendre la journée de jeudi pour voir et pour retrouver un air plus respirable, mais on restera malgré tout au-dessus des normales de saison. C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, des piscines sur mesure conçues pour durer. Bientôt 16h30, merci de nous retrouver sur BFM TV. Et ces températures, un air de mois d'août en plein mi-septembre. Il fait chaud, très chaud sur l'ensemble de la France ce dimanche avec jusqu'à 36 degrés dans les Landes. Et le pic est encore attendu demain, lundi. Nous ferons le point sur cette vague de chaleur avec Antoine Forestier. Il est à Biscarrosse sur la plage et avec notre invité Alix Roumaniac, spécialiste de la prévision des phénomènes météorologiques. Pour lutter contre la propagation du Covid-19, 6 médecins, dont Axel Kahn, appellent à siffler la fin de la récréation. Éviter les rassemblements privés, demande-t-il aux Français dans une tribune dans le journal du dimanche. Tension entre la France et la Turquie. Les présidents Macron et Erdogan se menacent par déclarations interposées. À l'origine, le soutien de Paris à la Grèce dans son conflit face à Ankara. Alors jusqu'où ira l'escalade? Reportage dans ce journal. On se croirait donc en plein mois d'août, il fait chaud aujourd'hui, vous l'avez ressenti. Eh bien, ça va encore durer quelques jours. Une trentaine de degrés sur la quasi-totalité du territoire ce dimanche après-midi. Un grand soleil également dans toutes les régions. Et vous voyez ces images en direct de cette fin d'après-midi, de cette fin de week-end. La Bastide d'Armagnac, 34 degrés à Montpellier. Dans l'Hérault, il fait 30 degrés. Du côté de la Vendée, 29 degrés à La Roche-sur-Yon. Et dans la capitale, 28 degrés. Le pic de chaleur est donc attendu demain. Les températures varieront globalement de 26 à 32, 23-24 près de la Manche et 33 à 35 degrés dans le sud-ouest. On va partir justement dans le sud-ouest pour retrouver Antoine Forestier qui est à Biscarrosse. Sur la plage, conditions de travail difficiles, Antoine. Hein. c'est là-bas que la chaleur est la plus forte aujourd'hui, forcément. On en profite. Exactement, 33 degrés. On n'est pas encore au maximum, ce sera dans une heure, 34 degrés à Biscarrosse. On atteindra la maximale ici. C'est vrai que c'est des températures assez inhabituelles pour un mois de septembre. On est 10 degrés au-dessus des normales de saison. Et en plus, quand on compare à l'été dernier où la météo n'avait pas été très bonne, je peux vous dire que les restaurateurs, les professionnels du tourisme qui sont un peu plus loin, ils ont le sourire aujourd'hui. Regardez sur ces images de Camille Fournier, tous ces gens qui profitent de ces bonnes conditions. Alors je ne vous ai pas donné la température de l'eau, elle est à 22 degrés, ce qui explique qu'il y a quand même pas mal de monde qui se baigne ici ce matin et cet après-midi aussi également. Et un petit peu plus loin, il y a des surfeurs. Certains nous disaient que les conditions n'étaient pas ultra idéales pour eux. Ils voulaient un petit peu plus de houle, mais bon, on peut pas tout avoir. En tout cas, cet été qui se prolonge, je vous le dis, ici, ils sont nombreux à en profiter comme ces gens qui font un petit peu les marioles derrière nous. Alors, comment la population sur place accueille ces températures qui sont quand même, on le rappelle, un peu inhabituelles, hein, même s'il fait toujours beau dans le sud-ouest. Mais quand même, là, il fait très chaud. On va leur demander, pas à eux, mais on va leur demander. Il y a Dimitri qui est à côté, qui est beaucoup plus calme. Bonjour Dimitri. Bonjour. Merci de répondre en direct à nos questions. C'est quoi le programme pour vous aujourd'hui avec cette belle météo, cet été qui se prolonge? Ben, je sais pas, on est venu sur la plage jouer au foot, se baigner et voilà. Vous attendiez à de telles températures, à cet été qui se prolonge? Ben, vu qu'on est en septembre, non, parce que d'habitude, c'est pas trop beau. Mais sinon, on profite. Il y a encore demain, mais c'est le retour au travail? Ouais, c'est ça.
Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à la question. On vous laisse profiter. En effet, demain, la température continue de grimper. On attendra 35 degrés ici à Biscarrosse. Mais il y aura, semble-t-il, moins de monde parce qu'il faut retourner au travail. C'est plus les vacances. Ouais. Eh oui, Antoine Forestier avec Camille Fournier. Attendez-nous, Antoine. On arrive, on prend les maillots. Alors, ces températures, ces records pour un mois de septembre, on en a parlé tout à l'heure avec notre invité, Alex Romagnac, président de la société Predict Service, spécialisée dans la prévision des phénomènes météorologiques, qui nous explique ce phénomène exceptionnel. Oui, effectivement, vous le voyez derrière moi sur nos écrans. En fait, on a une dépression qui est sur l'Atlantique et qui fait remonter de l'air chaud d'Afrique du Nord, d'Espagne et du Portugal. Et comme le disaient nos collègues de Météo France ce matin, avec qui on a encore fait des points, on est sur une situation où depuis 15 mois d'affilée, on a des températures moyennes qui dépassent en fait les moyennes mensuelles depuis plus de 15 mois. Il faut remonter jusqu'à mai 2019 pour ne pas avoir un mois qui dépasse les records. Et en fait, cette température va encore bouger. C'est lié à cette dépression qui est sur l'Atlantique, que vous voyez derrière moi, et qui fait remonter derrière de l'air chaud, en fait, depuis l'Afrique du Nord. Alors, cette dépression, d'ici la fin de la semaine, peut se rapprocher un petit peu de l'Espagne et du Portugal. Donc, on va continuer à profiter de cet air chaud ce début de semaine pour peut-être le week-end prochain connaître un événement un petit peu pluvieux sur le sud de la France. Est-ce qu'il va falloir s'habituer, par exemple, en France, à avoir comme ça des mois de septembre aussi chauds chaque année désormais ? Oui, alors l'aspect régularité est toujours complexe, mais c'est vrai que tous les experts du GIEC l'évoquent. Hein, on est sur une situation avec ce changement climatique qui accentue les extrêmes. Donc on va pouvoir connaître des mois beaucoup plus chauds, des mois de septembre beaucoup plus chauds, des sécheresses plus chaudes, et puis après, d'un seul coup, des précipitations intenses très, très importantes. Donc c'est en fait malheureusement le quotidien qui va nous être demandé de vivre dans les années à venir. Notre santé à présent et la progression de l'épidémie de coronavirus en France, elle inquiète certains spécialistes. Les chiffres, on vous les rappelle, pour ces dernières 24 heures, 10 561 nouveaux cas positifs. C'est le dernier bilan de Santé publique France. Il s'agit de 1155 cas de plus que la veille. Et il y a aussi ces 86 nouveaux foyers de contamination qui ont été détectés en une seule journée. Conséquence, 6 médecins alertent aujourd'hui dans une tribune publiée dans le journal du dimanche. Oui, ils pointent du doigt les réunions de famille ou d'amis, des situations de la vie quotidienne où le risque de diffuser ou de contracter le virus est élevé car, le rappellent ces spécialistes, l'une des caractéristiques déroutantes du Covid-19 est la part importante de personnes asymptomatiques et contagieuses. Ces médecins appellent donc, je cite, à siffler la fin de la récréation. Écoutez l'un d'entre eux, le généticien Axel Kahn. On n'a pas obligatoirement le besoin de vous dire si vous devez vous protéger et protéger les autres. Donc je vous dis, écoutez, prenez-vous en main, protégez-vous, protégez les autres. On ne demande pas que, évidemment, les gens qui s'aiment ne se voient pas. Mais les réunions de famille à 15, 20, 30 personnes, extrêmement proches, sans aucune mesure barrière, sans masque, des bisous de ci, de là, ça, c'est très dangereux. Et c'est très dangereux, vous mettez vos anciens en danger. Je vais vous dire, car je suis aussi un ancien, eh ben, vous me mettez en danger aussi, comme cela. Caroline Dieudonné, journaliste santé BFM TV. Ces 6 médecins, ils alertent dans le JDD. Selon eux, nous sommes à une nouvelle étape de l'épidémie, celle de la diffusion. De quoi s'agit-il ? Oui, ils disent donc nouvelle étape, celle de la diffusion, parce que nous perdons petit à petit la trace des nouvelles contaminations. Alors en fait, ça ne date pas d'hier. On posait la question il y a peu à Bruno Lina, qui est membre du conseil scientifique. Et souvenez-vous, ils avaient publié une série de scénarios pour la sortie du confinement. Et il estimait qu'on était plutôt dans le scénario 3, donc la reprise progressive de l'épidémie, sans que les chaînes de contamination puissent être identifiées et contrôlées. Un autre chiffre qu'on peut vous montrer, c'est celui-là. Il est dans le bulletin de Santé publique France. Il nous dit que 19% des nouveaux cas identifiés étaient connus comme des personnes contact à risque d'un autre cas. Donc seulement 19%. Conclusion de Santé publique France, eh bien la majorité des nouveaux cas continuent de survenir en dehors des chaînes de transmission documentées. Vous savez que le Premier ministre a annoncé qu'on allait d'ailleurs recruter 2000 personnes supplémentaires pour cette étape du traçage qui est
essentielle avant celle de l'isolement. Et puis, il y a une autre crainte de la part de ces médecins, et on l'entendait à l'instant avec l'interview, c'est la diffusion de ce virus vers des catégories de personnes à risque. Regardez ce que nous dit Santé publique France. Eh bien, vers des populations plus âgées, ça pourrait impliquer une plus forte augmentation des hospitalisations, dont celles en réanimation dans les semaines à venir. Et vous savez que c'est l'un des indicateurs qu'on surveille, ces nouvelles entrées en réanimation. Les indicateurs se dégradent et nous ne savons pas jusqu'où cela ira, écrivent ces médecins. Ils constatent que malgré la généralisation du masque obligatoire, eh bien, les contaminations progressent. C'est primordial d'agir, notamment comme ils le recommandent, sur les événements privés. Oui, comme vous l'avez compris, c'est difficile encore pour l'instant de remonter toutes ces chaînes de contamination. Il y a aussi une partie des malades qui sont asymptomatiques. Et puis vous savez qu'on peut être particulièrement contagieux aussi quand on est pré-symptomatique, donc avant l'arrivée des symptômes. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres des clusters, eh bien regardez ce tableau, hein, on voit effectivement que la plupart de ces clusters répertoriés depuis le mois de mai surviennent dans des entreprises privées ou public, et puis dans des événements, hein, des rassemblements temporaires de personnes, ou alors dans ce qu'on appelle le milieu familial élargi, c'est-à-dire plusieurs foyers familiaux, hein. Ça représente 11% des foyers d'infection qui ont été identifiés, et on peut avoir tendance, hein, on le sait, quand on retrouve ses amis, quand on retrouve sa famille, c'est tout à fait compréhensible, de baisser sa garde, d'où l'alerte de ces médecins qui précisent qu'il faut respecter les gestes barrières, les distances le plus possible, et puis et qu'il faut aussi privilégier la ventilation des pièces, toujours aérée. On sait que la plupart de ces clusters, c'est aussi en milieu clos. Merci Caroline pour ces précisions. Et puis il y a aussi cette situation très préoccupante dans un EHPAD de Sévrac d'Aveyron, c'est à 50 km de Rodez, en Aveyron donc. Parmi les 75 résidents, 48 ont été testés positifs au Covid et 5 personnes sont décédées. Précision sur place d'Angelo Atta. Il y a actuellement dans cet EHPAD 48 résidents qui sont testés positifs au coronavirus. Donc il y a eu ces 5 décès. Et puis il y a surtout 20 membres du personnel qui sont également positifs au coronavirus. Donc concrètement, qui ne peuvent pas travailler. Ce qui signifie qu'il y a un manque cruel de personnel soignant notamment. D'où cet appel qui a été lancé par la directrice de l'établissement qui souhaite donc qu'il y ait du personnel soignant qui vienne prêter main forte. Elle nous a expliqué qu'il y avait déjà des gens qui avaient répondu favorablement à l'appel, qui pouvaient venir pour un ou deux jours, mais elle aimerait qu'il y ait du personnel soignant, notamment humanitaire, qui puisse venir sur une semaine ou deux entre deux missions à l'étranger, par exemple. Voilà cette volonté, cet élan de solidarité qui est relayé également par la mairie de Sévrac d'Aveyron. La population entière est concernée, puisque des gens ont d'ores et déjà expliqué qu'ils pouvaient accueillir chez eux ce personnel soignant pour éviter qu'il y ait des frais d'hébergement et que cette solidarité puisse se mettre en place de manière plus efficace, plus rapide. Dans un instant sur BFM TV, après la Guadeloupe, les mesures que Bordeaux et Marseille pourraient prendre demain via les préfets pour lutter contre l'augmentation du nombre de cas de Covid. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite. En septembre, sur RMC Découverte. Bon les gars, on est en place là, hein. C'était une ville qui était un exemple pour les autres. C'était énorme. Tout était énorme. C'était un lieu très impressionnant. Dans le grand royaume de France, Rocamadour, c'est un des phares absolus. C'est vraiment une illustration de la ferveur médiévale. C'est un véritable livre d'histoire. On est de retour. Bienvenue à la maison. La chasse à l'or. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver. C'est le rêve de chaque chercheur. Elle présente des dimensions exceptionnelles. Vince est née comme un édifice record. Quand elle est construite, c'est la plus haute et la plus grande. C'est la première des géantes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons. T'as dit quoi là? Ça vous fait rire, ça va. Prêt à tout casser. C'est toujours plus haut, toujours plus vite. RLC Découverte, plus fort que la fiction.
Ça peut vous paraître un peu snob, mais je suis très fière de mes racines. Je suis une table design dont le bois a grandi dans une forêt française gérée durablement. Et c'est important, des forêts. Camif.fr. Nos meubles aussi pensent très très fort à demain. Il est fascinant de voir ce qui arrive quand vous regardez le moindre élément. Non comme un détail, mais comme un tout. Et si chaque élément est tout simplement parfait, imaginez alors vos possibilités lorsque vous les réunissez. Le Dell XPS. Faites entrer l'accusé ce soir à 21h05 sur RMC Story. Tout l'art de la torréfaction carte noire pour révéler la richesse aromatique de grains purs arabica. Découvrez l'arôme intense de nos cafés en grains torréfiés en France. Carte noire, intensément vivant. Chaque mois, Indeed publie plus de 400 000 offres d'emploi dans toute la France. Vous entrez dans la vie active, recherchez le poste de vos rêves ou souhaitez simplement faire évoluer votre carrière? Rendez-vous sur Indeed pour trouver l'offre qui vous correspond. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je vous entendais parler. Vous êtes dans quoi? Je suis dans la compta. C'est dingue ça, moi aussi. Parce que t'es dans la com en fait. Ouais, pareil. C'est vrai. Et vous? Exactement pareil. Ah oui, je connais très bien, mais j'en suis aussi. Pareil. Mais on a le même métier. Comme pas hasard. Il est pas un peu mytho, Michel? Compta, com et plombier, parce que Michel est artisan, il doit savoir tout faire. Comme son Citroën Berlingovan. Ah non. Citroën Berlingovan, à partir de 139 euros par mois, contrat de maintenance compris. Citroën. En septembre, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme Citroën utilitaire. Tu me passes mes impressions, chérie, s'il te plaît? Ok. Ce soir, c'est moi qui choisis. Oh, ok. Excusez-moi, il est 20h. Votre magasin va fermer ses portes. Toute l'innovation HP vous attend à la Fnac. Ou sinon sur Fnac.com. 60 ans, oui, et toujours rayonnante. Innovation des laboratoires Clarins. Un duo d'actifs issus du marronnier d'Inde stimule la diffusion des micronutriments. Nourri, la peau retrouve toute sa lumière. Nouveau Nutri-Lumière de Clarins. Avec mes problèmes d'audition, je n'osais plus discuter avec les autres et j'avais l'impression de devenir invisible. Chez Audica, un expert m'a proposé des aides auditives 100% invisibles. Pour que moi, je ne le sois plus. Parce que votre santé n'attend pas, venez essayer dès maintenant nos aides auditives exclusives dans le strict respect des gestes barrières. Appelez le 3220 et dites Audica. Dispositif médical. Prenez soin de vous. Audica. Vendez votre voiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Vendezvotrevoiture.fr. Estimé en ligne gratuitement, prenez rendez-vous près de chez vous et vendez rapidement. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Nouveau Renault Captur pour toutes vos vies. Essayez nouveau Renault Captur hybride rechargeable pendant les portes ouvertes du 10 au 14 septembre en prenant rendez-vous sur Renault.fr. Vous regardez BFM TV, 16h45. Contamination préoccupante et hospitalisation déjà élevée selon le Premier ministre. On a entendu le préfet de Guadeloupe il y a quelques minutes. Pour les villes de Bordeaux et de Marseille, maintenant en métropole, les préfets ne rendront leur copie que demain. Voici tout de même les pistes qu'ils pourraient envisager des mois au plus contraignantes. Alors, on l'a vu, un renfort des contrôles de police, des horaires de fermeture de commerce modifiés, plus de rassemblements de plus de 10 personnes ou une interdiction des déplacements de plus de 100 km. Proposition donc des préfets demain. Le président de la région PACA, Renaud Muselier, rejette lui tout reconfinement à Marseille dans les propositions qu'il a adressées au préfet et au Premier ministre. Les voici, vous les voyez, ces propositions. Fermer les plages, les parcs également à partir de 20h, interdire les fêtes de mariage ou encore limiter le nombre de participants aux enterrements.
L'actualité à l'étranger à présent, où en sont les relations diplomatiques entre la France et la Turquie? Les présidents Macron et Erdogan se menacent par déclaration interposée depuis que Paris a annoncé soutenir la Grèce dans son conflit face à Ankara. Mais depuis, le navire déployé mi-août par la Turquie dans des eaux revendiquées par la Grèce est rentré au port d'Antalya, la fin des tensions. On voit ça avec David Hunal. Le Premier ministre grec l'assure, la décision turque va dans la bonne direction. Le retour du bateau turc à Antalya est un premier pas positif. J'espère sincèrement qu'il y en aura d'autres. J'ai dit hier que la fin des provocations serait le début du dialogue. Au cœur des tensions entre la Grèce et la Turquie, l'envoi par le gouvernement turc il y a un mois de ce navire de prospection pour scanner les fonds marins dans une zone où des gisements d'hydrocarbures ont été découverts. Une zone que la Grèce revendique. Les deux pays s'opposent sur la délimitation de leur zone économique exclusive. La Grèce s'appuie sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui lui accorde un avantage considérable en raison de ses nombreuses îles. La Turquie a toujours refusé de signer cette convention. Hier, le Premier ministre grec annonçait l'acquisition de 18 rafales, 4 frégates et 4 hélicoptères en accusant la Turquie de saper la paix dans toute la Méditerranée. Avec le retrait de ce navire et de son escorte armée, la Turquie semble faire marche arrière. Un changement d'attitude alors qu'hier, le président turc haussait le ton face à l'appel de dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, à cesser l'escalade. Je ne veux pas citer son nom, mais je dois le faire parce qu'il me dérange. Il dit que pour lui, le problème n'est pas avec le peuple turc, mais avec Erdogan. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des problèmes avec moi. Dans cette crise, Emmanuel Macron avait apporté son soutien à la Grèce en déployant des forces armées françaises dans la zone. Et tout de suite, prenez soin de vous. Parce qu'en matière de bien-être et de santé, il est important d'être bien conseillé. Retrouvez votre chronique avec France Literie, expert de vos nuits. Covid-19 et la course au dépistage rapide. Alors que sont ces nouveaux tests, les tests antigéniques déployés cette semaine en Île-de-France? Margot de Frouville et le docteur Alain Ducardonnet nous expliquent tout. À la une ce dimanche, gros plan sur les tests antigéniques qui sont en effet déployés cette semaine en Île-de-France, mais pas encore pour le grand public. On les appelle les TRA, tests rapides antigéniques, comme les tests PCR. Ils cherchent à nous dire si un patient est infecté au moment précis du dépistage, à l'inverse des tests sérologiques qui, eux, détectent des anticorps et qui peuvent nous dire si on a été infecté par le passé. Alors, comme pour les tests PCR, en fait, on utilise la même méthode de prélèvement avec un écouvillon, donc au fond du nez. Donc, vous n'allez pas y échapper pour autant, mais c'est dans la technique que c'est très différent, puisqu'en fait, ils ne cherchent pas la même chose. En effet, les tests PCR recherchent le code génétique du virus, qu'on appelle l'ARN, alors que les tests antigéniques, eux, vont rechercher des protéines qui sont produites par le virus elle-même et qui sont présentes à sa surface. Dans l'analyse aussi, c'est différent, puisqu'en fait, une fois que le prélèvement est fait, il est mis dans un réactif qui le dilue, vous le mettez sur une bandelette, et là, vous attendez quelques minutes pour que ça se colore ou que ça ne se colore pas, ça détecte la présence du virus. C'est en fait le même principe que les tests de grossesse. C'est donc une procédure beaucoup plus facile puisque la manipulation peut se faire à la main, il n'y a pas besoin d'une machine. Et surtout, et c'est l'avantage majeur, c'est beaucoup plus rapide que les tests RT-PCR. En fait, en gros, on dit 15-20 minutes, c'est ce que dit le ministère de la Santé. La PHP, qui est plus prudente, dit 30 minutes. En tous les cas, ça n'a rien à voir avec les PCR traditionnels, puisque vous le savez, normalement, le résultat, c'est 24 heures. Mais compte tenu des longues queues que vous avez déjà vues dans les laboratoires d'analyse, c'est beaucoup plus long. Ces tests rapides ont donc vocation à servir aux opérations de dépistage massif. En revanche, toutes les personnes qui auront un test antigénique positif devront le confirmer avec un test PCR. C'est donc un dispositif complémentaire, mais le test de référence reste le PCR. Alors ça, c'est pour les avantages. Il y a peut-être un petit inconvénient quand même, c'est que a priori, la sensibilité du test serait moins bonne, mais quand même de l'ordre de 90%. Toujours est-il que pour en avoir le cœur net, eh bien, la PHP a lancé un protocole qui va comparer les résultats PCR aux résultats antigéniques. Oui, un essai clinique lancé par les hôpitaux de Paris sur 800 personnes pour comparer précisément les deux méthodes. L'objectif est à terme de pouvoir déployer à grande échelle ces tests rapides. Et puis Culture Santé, avec ce livre de Martin Winkler, spécialiste de la santé de la femme, C'est mon corps, aux éditions L'Iconoclaste. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, mesdames, avec des réponses, bien évidemment, sans tabou. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous.
Parce qu'en matière de bien-être et de santé, il est important d'être bien conseillé. Retrouvez votre chronique avec France Littré, expert de vos nuits. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, 7 jours BFM présenté par Ronald Guintrange. À la une, le Covid et cette tribune de 6 médecins dans le JDD. Ils appellent à siffler la fin de la récréation et à éviter les rassemblements privés. Très bonne fin de journée à tous sur BFM TV.